Bonjour. Bonjour Monsieur Kahn, bienvenue. Merci. Bonjour Madame Faure également. Je suis tout près de ma Livebox, comme ça normalement ça marche bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Écoutez, l'image est parfaite. Bon, tant mieux. Et on vous entend très bien aussi. Bon, ben écoutez, c'est parfait. Donc je vous rappelle un peu le déroulé à Oui. partir de 9h30. Donc c'est Aurélie Fournier-Goulou qui fera une petite introduction de l'événement et après elle vous passera la parole pour votre introduction. Et ensuite. Il y a pas Madame Madeleine. Non, alors en fait, elle ne veut pas être là aujourd'hui. D'accord. C'est Madame Fournier-Goulou qui vous présentera. Très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour Emmanuel. Donc j'ai pu me connecter sans te prendre le statut d'organisateur. Donc tout va bien. C'est parfait. Pas de difficultés de ton côté, tu as un bon son, bonne image. Oui, moi, ça fonctionne. Ok. Monsieur Kahn, je vous vois bien et quand je suis arrivée, je crois qu'on vous entendait bien également. Bon, mais écoutez, c'est parfait. Je suis près de la Livebox. Je n'ai plus de fond d'écran, donc Ouais. tout est fait pour optimiser. C'est ça, la connexion devrait être bonne. J'espère. Par Il y a contre. parfois des aléas avec la fibre, hein, aussi. Oui. Par contre, Monsieur J'ai Kahn, eu des pannes. si vous pouviez sur l'écran remonter un peu votre visage, parce que en fait, votre menton est coupé. Ah. Oui. Ah. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Aurélie, Oui. peut-être que dans ton introduction, tu pourras rappeler que les participants peuvent poser leurs questions dans le QNR en mettant tout le monde en copie. Enfin, C'est noté. je vais peut-être en profiter pour faire un test de partage pour voir si ça fonctionne bien. Oui, vas-y, si tu veux partager le PPT, on te dira si on le voit. Voilà, normalement, il est partagé. Alors là, c'est le prochain rendez-vous. Ah, voilà, Voilà. ça. Mais donc, pour moi, le problème, c'est que quand je partage l'écran, en fait, je vois surtout le document qui est partagé. Et en fait, je ne vois plus vraiment l'environnement Webex classique. Ah, est-ce que tu peux arrêter le partage? Oui, je peux l'arrêter. Oui. Ok. On a une présentation à ce stade. Est-ce que tu l'as déjà ouverte sur ton ordinateur? Est-ce que tu as testé l'affichage? Oui, j'ai testé. Sinon, pendant que tu testes, Catherine, je vois que tu es également en invité. Est-ce que sur ton écran invité, tu vois bien les présentations?
Je ne sais pas si Catherine m'entend. Oui, mais j'avais coupé le son, je vois très bien. En tant qu'invitée, d'accord. Oui. Super. Là, j'ai partagé le PPT de Monsieur Colombani. Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit bien. D'ailleurs, Monsieur Oui. Colombani nous a rejoint. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous et à Bonjour, Monsieur toutes. Corbani. Bonjour. Qu'est-ce que je fais pour la présentation? C'est moi qui la partage, comme on avait dit la dernière Oui, fois, ou... si vous le voulez, on peut la tester si vous le voulez dès maintenant. Ok, Je vous alors donne je... le rôle d'animateur pour que vous puissiez le partager. D'accord. J'appuie sur Share, hein, j'imagine. Ah non, là, c'est un autre écran. Je ne sais plus quel bouton il faut. Normalement, c'est un bout. En bas de votre écran, vous avez un bouton pour partager, Ah qui oui, bon. s'appelle Partager ou qui s'appelle Share. Oui, ok. Alors, je vais. Attendez, je vais d'abord m'assurer que j'ai ouvert le bon. Bonjour, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, Dominique. Bonjour. Oui, bonjour Dominique, on est en train de tester le partage de la présentation de Monsieur Colombani. Ok, pas de problème. Ok, donc je réessaye. Je voulais juste vous. Vous étiez tous en copie de nos échanges hier, mais donc vous aurez compris que M. Kahn a prévu de rester en fait pour toute la présentation et donc potentiellement d'intervenir. Donc je ne sais pas si du coup je dois modifier quelque chose dans ma présentation. En fait, tous les intervenants auront l'occasion d'intervenir s'ils le souhaitent, s'ils ont une précision à apporter Oui, sur ce c'est ce que je que lui ai chacun. dit. Oui, mais j'ai pas prévu de Voilà. questions pour lui, par exemple. On est Non, d'accord, non. hein? Oui, Oui. non, non, non. Bien ça, Monsieur Kahn, hein? Oui, bonjour. Ah, Oui, bonjour, monsieur. écoutez, a priori, je pense que les intervenants connaissent leur sujet très bien, donc c'est plutôt eux qui y répondent. C'est plutôt quand après il y a des questions de la salle ou autre, si jamais j'ai des compléments à apporter éventuellement, que je puisse le faire. Mais a priori, je prévois surtout d'introduire. Dans l'introduction, pour dire que les personnes du ministère sont très mobilisées sur la transition écologique et puis que j'aimerais juste que ce cycle commence. Voilà. Parfait. Monsieur Colombani, on voit bien votre Je veux partage m'en d'écran. donner intervenir. Ok, très bien. Si Donc je veux je fais m'en donner. ça et je peux bouger Voilà. les slides comme ça. Vous voyez, ça bouge là. Oui, on Oui. voit très bien. Alors, Ok, juste parfait. pour que vous puissiez faire ça, moi, il faut que je vous donne la main, c'est ça, si je me souviens bien, avec l'histoire de la petite balle verte, là. Il n'y a pas une Oui, histoire de c'est petite ça. balle Là, elle verte. m'a déjà été donnée, donc, mais effectivement, oui, je crois. Ouais, alors pourquoi je vois rien? Ah, ça y est. Donc, c'est vous, une fois quelqu'un a la balle, en fait, c'est cette personne qui peut la déplacer, c'est ça? En fait, moi, Madame Pialot, je peux la déplacer Ah, vous aussi. pour vous si vous voulez. Donc, là, c'est D'accord, moi ok. qui ai donné la main à Monsieur Colombani, donc je vous propose de lui donner De toute cette. façon, c'est uniquement pour le partage de slides. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, pour l'instant, a priori, que Monsieur Colombani qui en a prévu. Moi, j'en ai pas, en tout cas, ça c'est clair. Donc, en fait, j'ai pas besoin de récupérer la balle, en tout cas. Bonjour Madame Tubiana, merci d'être Bonjour, Monsieur là. Denis. On est en train de régler des petits soucis qui n'en sont pas techniques. Merci Bonjour. infiniment. En tout cas, vous m'entendez bien, ça va? Oui, parfaitement, oui. Parfait. Oui, parfaitement. Bonjour. Bonjour. J'ai un petit doute sur le timing, en fait. C'est plutôt 10 minutes, 8 à 10 minutes les premières introductions, c'est ça?
Oui, bah, c'est-à-dire que oui, c'était ça l'idée, parce qu'après, en fait, vous avez reçu la proposition de conducteur. L'idée, c'est effectivement de revenir, enfin, que chacun d'entre vous prenne plusieurs fois la parole au cours du débat et de pas forcément explorer tous les aspects du sujet d'entrée de jeu, quoi, pour qu'on y reste un peu de grain à moudre. C'était un peu ça l'idée, mais après, chacun d'entre vous, je vous laisse un peu juge de savoir ce que vous voulez. Moi, j'ai essayé de poser des questions liminaires un peu vastes, et puis qui permettent de procéder avec un peu un effet d'entonnoir, notamment géographique en l'occurrence. Voilà. Mais s'il y a des sujets qui vous semblent importants d'aborder d'entrée de jeu, évidemment, libre à vous, hein. C'est juste pour que je puisse après revenir avec d'autres questions dont vous avez connaissance, sans que la réponse ait déjà été apportée précédemment, sinon ma question tombe un peu à plat. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Parfait. Bonjour, monsieur Siedlowski. Bonjour. Vous nous entendez bien? Je vous entends, je vous vois. Alors, je suis obligé de mettre un fond d'écran parce que je suis dans la chambre de ma fille, mais alors ça, tout va Oui, bien. c'est très joli. Est-ce que vous avez une présentation? Non, non, finalement, je vais pas faire de PowerPoint. D'accord. Très bien. Bon, alors, on a tous les intervenants, en tout cas, c'est déjà ça. Juste, pardon, je n'ai pas posé la question, mais le public, ce sont les agents du ministère? Je vous ai envoyé une liste que vous avez peut-être regardée. Une grande majorité, effectivement, est du ministère. Et nous avons quelques personnes, associations ou des personnes qui s'intéressent au sujet. Entreprises, mais la grande majorité, effectivement. Nous avons une centaine de personnes du ministère de la Transition écologique. La grande majorité, effectivement, provient du ministère de l'Économie et des Finances, notamment de la DG Trésor, M. Sienewski. On ne vous entend plus, M. Sienewski. Ah oui, non, pardon, pardon, je disais, ah bon, oui, parce que ce sont mes. Je vais leur parler de ce qu'on fait alors. Ok. Oui, je salue hein, les gens. Centaines de participants Bonjour, qui se sont bonjour branchés. Bonjour à Antonina. tous. Bonjour, monsieur Combadi. Bonjour, bonjour, Stéphane. J'ai une petite question. Si nous-mêmes, on veut intervenir, on se signale comment? Est-ce qu'on peut juste... Vous m'entendez? Aurélie? Oui, Dominique, on vous entend. Juste un petit rappel pour les questions. Donc j'incite l'audience, je ne sais pas comment on les appelle, les spectateurs, à poser des questions au fil de l'eau. Et ces questions-là, elles apparaîtront dans Q&A, c'est ça? Oui. Et vous les voyez aussi? Oui. Je suis pas la seule à les voir, en fait. Alors, je vais dire simplement quelques mots pour accueillir le public à cette séance des rencontres économiques qui est organisée par l'IGPDE. Et je vais leur expliquer qu'ils peuvent poser les questions dans le menu Q&R et qu'ils doivent s'adresser à tous les co-animateurs de manière à ce que vous les voyez tous. D'accord. Si jamais il s'adresse à un intervenant en particulier, seule cette personne verra la question, D'accord. mais on va leur demander de s'adresser à tous les co-animateurs. OK, parfait. Crois que Monsieur Kahn demandait comment on se signale si on souhaite Ah oui, il y a une fois. intervenir à un moment donné, enfin Il si a un des levé la main intervenants là, non? souhaite ajouter quelque chose. Est-ce Je qu'il y vois a une une, est-ce qu'on le petite. signale dans le chat ou est-ce qu'il y a un autre moyen de le faire? Il y a la petite icône lever la main là, non? On lève la main. Mais en fait, tous les Moi, intervenants ont la. Excusez-moi. Tous les intervenants
ont la possibilité, même si leur son est coupé, de reprendre le micro, si vous le souhaitez. C'est-à-dire, si vous voyez votre micro avec une barre en rouge, en fait, normalement, vous devez pouvoir le reprendre. Par exemple, Monsieur Sieniewski, en ce moment, votre son est coupé. Je pense que vous pouvez reprendre le micro. Oui, mais peut-être il faut signaler plutôt à Madame Pialo si on souhaite parler, enfin, comme elle va distribuer la parole, j'imagine. Oui, bon, c'est comme vous voulez. Hein. Ça dépend un peu de, entre guillemets, l'urgence de votre prise de parole. Bon, moi, je ne me formaliserai pas. Je pense qu'on est entre gens civilisés. Donc, j'imagine que si vous souhaitez rebondir rapidement sur un propos qui vient d'être tenu par un autre intervenant, il n'y a, y a pas de souci. Après, si, c'est, si ça peut attendre quelques secondes. En fait, je pense que vous, si on sort vraiment, ce qui est tout à fait possible, hein, ce n'est pas du tout la Bible, hein, ce que je vous ai envoyé, si on sort vraiment de l'organisation à un moment... des échanges tels que je vous l'ai envoyé, bah vous me prévenez que vous préférez aborder tel sujet, le développer, etc., pour que je puisse un peu, moi, adapter mes questions derrière. Bon, évitez de faire tout ça tout le temps, sinon ça va devenir compliqué pour moi à suivre. Mais bon, voilà, après, parce que du coup, quand on lève la main, on reprend automatiquement la parole, c'est ça, Catherine? Non, on a juste une petite icône de main qui apparaît à côté du nom de la personne qui a levé la main. Ah, ça ne donne pas du tout la parole automatiquement. La seule manière de prendre la parole automatiquement, c'est d'allumer son micro et de parler. Mais sinon, il n'y aura pas d'intervention. D'accord. Donc, moi, si je vois quelqu'un qui lève la main et que je n'ai pas d'autres messages qui me soient adressés dans le chat… Ben, je fais en sorte de pouvoir donner la main assez rapidement à la personne en question. Voilà. Juste, moi, je n'ai pas d'icône pour lever la main, en fait, dans mon interface. Mais bon, je le signalerai peut-être par le chat ou d'une autre manière. Ah, d'accord. Normal, c'est en bas à droite ou... non. Normalement, c'est effectivement en bas à droite. Je vois qu'on peut envoyer un chat, on peut envoyer des messages individuels, donc je peux, je peux vous envoyer, Madame Pialo, vous dire voilà, de toute façon, si je souhaite ajouter quelque chose, voilà. Tout à fait, oui, ça bien sûr. Je crois que les interfaces Webex sont différentes les unes des autres, donc je n'ai pas ce bouton vraiment. C'est possible. Dans mon interface, il y a trois chats possibles, un avec tous les co-animateurs, un avec tous les invités et un avec tout le monde. Donc si on veut parler entre nous, c'est tous les co-animateurs, je pense. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, on a déjà 50 personnes qui se sont connectées, donc je vous propose qu'on commence à l'heure. Dans une minute, il sera 9h30. Voilà, mais je vous propose de commencer. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance des rencontres économiques organisées par l'Institut de la gestion publique et du développement économique. Le thème qui va être évoqué aujourd'hui est celui du Green Deal ou Pacte vert européen, avec pour en parler nos intervenants que je remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Madame Laurence Tubiana, Antoine Colombani et Stéphane Sieniewski. La séance sera animée par Dominique Pialo et vous pourrez poser vos questions tout au long de la rencontre dans le menu Q&R, questions et réponses, qui se trouve soit en bas, soit à droite de votre écran. Je vous remercie aussi d'adresser vos questions à tous les co-animateurs de manière à ce que tous les intervenants puissent les voir. Et puis en ouverture, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Philippe Kahn, haut fonctionnaire au développement durable au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, qui nous fait également le plaisir d'être avec nous ce matin. Voilà, Monsieur Kahn, je vous laisse la parole et puis je souhaite à toutes et tous une excellente conférence. Merci.
Bonjour. Merci beaucoup à l'IGPDE d'avoir organisé ces rencontres économiques et de m'avoir proposé de les introduire. C'est en effet l'occasion pour moi de voir se concrétiser des discussions que j'avais eues avec Virginie Madelin et toute l'équipe de l'IGPDE au mois de mai dernier. En effet, lorsque j'ai été nommé haut fonctionnaire au développement durable, j'ai rencontré pas mal de monde et j'ai tenu à échanger avec l'IGPDE pour connaître les actions concrètes qui pouvaient être menées pour former les agents du ministère au développement durable et à la transition écologique. Et nous étions alors convenus que des rencontres économiques leur seraient consacrées en 2021 dans un cadre résolument européen. Et nous y voilà, et je m'en réjouis. En introduction à ces rencontres, je voudrais juste délivrer un message très simple. C'est que le ministère de l'économie, des finances et de la relance, le MEFR, est aujourd'hui un acteur majeur de la transition écologique. Voilà. Certains veulent donner la vision d'un ministère et d'acteurs économiques français qui sont sur le frein et qui défendent avec conservatisme des positions peu favorables au respect de l'environnement, mais cette vision ne correspond plus du tout à la réalité. Aujourd'hui, et le ministre, M. Le Maire, est particulièrement clair sur ce point, la transition écologique est vue comme un élément clé permettant à l'économie française de se reconstruire. De même, les milieux économiques français ont très largement intégré la nécessité d'une transition écologique pour que nos pays puissent prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique et respecter les engagements internationaux ambitieux que la France a pris. Donc, les services du ministère aujourd'hui sont très fortement impliqués dans ces politiques. Je ne vais évidemment pas citer toutes les actions qui sont menées. Je voudrais simplement donner 4 exemples de chantiers très transverses dans lesquels nous travaillons. Le premier chantier, c'est le plan de relance. Vous savez qu'il a été présenté en septembre dernier. D'une part, il consacre 30 milliards sur 100 milliards à la transition écologique. Et d'autre part, les 70 autres milliards sont menés, évidemment, pour ne pas non plus être en contradiction avec elle. Le deuxième chantier que je veux citer, qui est beaucoup plus récent et qui est encore en cours, c'est l'élaboration de la feuille de route ou le plan d'action du ministère sur le climat. Voilà, il a été préparé ces dernières semaines conformément à la demande du Premier ministre et il a pour objectif de décliner au niveau économique la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, le ministère étant considéré comme responsable de l'atteinte des objectifs de réduction des émissions du secteur de l'industrie. Le troisième chantier que je voulais citer est celui des suites données aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Voilà, des mesures ont été préparées et adoptées dans le cadre de la loi de finances 2021 et également un projet de loi qui s'appelle « Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». Ce projet de loi a été préparé, est en cours d'examen au Conseil d'État et également d'autres mesures réglementaires sont préparées par les services du ministère. Enfin, en interne, le ministère est également résolument engagé dans l'évolution de son fonctionnement interne à travers la démarche Bercy Vert, animée par le secrétariat général, qui couvre de nombreux domaines, qu'il s'agisse de l'immobilier, des achats, des déplacements, la réduction de notre propre production de déchets. Il s'agit là d'être exemplaire. Donc, ces différentes démarches structurantes que j'ai citées vont continuer à mobiliser les services du ministère tout au long de l'année 2021. Également, ce sera l'accent certainement, il y aura également l'occasion de mettre l'accent sur une nouvelle thématique, qui est la thématique numérique environnement, c'est-à-dire comment réduire l'empreinte environnementale du numérique. 2021 va être également une année très importante au plan international, au niveau européen, bien sûr, avec les travaux du pacte vert européen, le Green Deal, et au plan international, avec le retour des États-Unis dans l'accord de Paris et la préparation de la COP26 prévue en novembre 2021 à Glasgow. Voilà. Et ces points, bien sûr, vont être largement abordés aujourd'hui par les intervenants. Donc, avant de donner la parole à Dominique Pialot pour animer ces rencontres, je souhaite bien sûr remercier les intervenants de haut niveau qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et former tous mes voeux de réussite pour la réussite de ces rencontres d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Kahn, pour cette introduction.
Je souhaiterais à mon tour remercier à la fois l'équipe de l'IGPDE et en particulier Catherine Faure qui me fait une nouvelle fois confiance pour animer un débat et bien entendu remercier tous les intervenants pour leur disponibilité ce matin. Et on remercie également les participants qui nous regardent derrière leurs écrans. Donc, comme il a déjà été dit, nous allons traiter ce matin de la transition écologique de l'économie européenne au travers du pacte vert, dans le contexte que nous connaissons qui est fort particulier. Et pour ce faire, j'accueille virtuellement autour de la table Laurence Toubiana, économiste, présidente, directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat, membre du Haut Conseil pour le climat, coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat qui vient d'être évoquée, et également fondatrice de l'IDRI, qui est un think tank qui œuvre pour une transition vers le développement durable. Et Madame Toubiana a bien d'autres titres encore, dont certains je rappellerai peut-être plus tard dans le déroulé des débats, parce qu'ils ont un lien très direct avec des questions que je lui poserai. Également avec nous ce matin, Antoine Colombani, membre du cabinet du vice-président exécutif de la Commission européenne, Frans Timmermans, en charge du pacte vert européen, notamment. Et enfin, je suis en ça une logique d'entonnoir géographique. Stéphane Sinewski, qui est expert de haut niveau, délégué aux enjeux climatiques et environnementaux auprès du directeur général du Trésor depuis septembre dernier. Et je pense que ce sera peut-être intéressant de dire un mot sur la nomination d'un délégué à ces thématiques-là à la DG Trésor. Et enfin, moi-même, je me présente brièvement. Donc, je suis Dominique Pialot, journaliste économique spécialisée sur la transition écologique et cofondatrice d'un nouveau média qui traite exclusivement de sujets climat et biodiversité, qui s'adresse aux collectivités et aux entreprises, bon, et qui a pour ambition de sensibiliser, aider à monter en compétences et mobiliser les équipes au sein des organisations aussi bien publiques que privées. Et d'ailleurs, on a publié aujourd'hui même un papier qui fait écho à un sujet dont on parlera plus tard dans le débat. Voilà, après ce rapide tour de table introductif, je vais dire deux mots de la manière dont il me semble qu'on peut aborder le sujet dans les circonstances que j'évoquais tout à l'heure. Alors, pour commencer, le pacte vert, si vous vous souvenez bien, il a été annoncé pendant la COP25 qui se tenait à Madrid. Et c'était à peu près la seule bonne nouvelle, d'ailleurs, qu'on a pu saluer lors de cette COP de Madrid. Pour mémoire, cette COP devait initialement se tenir à Santiago du Chili, finalement, pour des raisons liées à la situation sociale et aux émeutes à Santiago du Chili, ça a été déplacé à Madrid. En fait, c'était un moindre mal si on pense à tout ce qui s'est passé depuis et aux nombreux événements qui ont été purement et simplement annulés ou en tout cas au minimum reportés de plusieurs mois. Et c'est notamment le cas de tous les événements liés au climat et d'ailleurs aussi à la biodiversité. 2020 aurait dû être une année charnière, c'était 5 ans après l'accord de Paris, avec, vous le savez tous, mais en tout cas beaucoup de rendez-vous attendus sur la révision à la hausse des ambitions, des contributions de chacun des États pour espérer atteindre justement l'objectif de l'accord de Paris. Mais la pandémie, donc, d'une part, a repoussé tous ces rendez-vous d'une part, mais aussi, évidemment, a donné d'autres priorités aux gouvernants du monde entier, à la fois sur le plan sanitaire et aussi économique. De nombreux plans de relance, dont au niveau français et européen, dont on va parler ce matin, ont été débloqués par les gouvernements respectifs. Et en fait, ce que je propose d'essayer d'envisager ce matin, c'est de voir si cet afflux d'argent supplémentaire
et favorable à la transition écologique, ou si il n'y a pas aussi un risque en fait d'enfermer l'économie mondiale, européenne, française dans des voies qui sont d'assez moyen voire long terme pour certaines des activités concernées, qui sont en fait un peu incompatibles avec l'objectif de neutralité carbone en 2050. Voilà, donc si ça vous convient, je propose de donner la parole en premier à Laurence Toubiana. Et donc je rappelle qu'en plus de la présentation succincte que j'ai faite tout à l'heure, vous avez été ambassadrice de la France pour le changement climatique, représentante spéciale à la COP21, puis championne pour le climat. Et à ce titre, vous avez une mission d'œuvrer au maintien de la dynamique impulsée par l'accord de Paris. La première question que je voudrais vous poser, c'est un peu de nous brosser le paysage de la diplomatie climat internationale en ce début 2021, donc après le report des rendez-vous prévus en 2020 que j'évoquais précédemment, dont évidemment la COP26. Et puis peut-être éclairer ça au regard de deux événements géopolitiques récents qui sont d'une part le Brexit et d'autre part l'élection de Joe Biden. Voilà, donc, Madame Toubiana, la parole est à vous. Merci d'avance. Les autres intervenants sur à la fois l'analyse de la politique française dans le cadre du Pacte vert et évidemment les visions du point de vue de la Commission européenne. Et c'est très important le rôle de l'Europe dans ce paysage de la négociation climatique qui, dans les 5 années qui ont évidemment suivi l'accord de Paris, on a eu quand même beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de bas quand même très liés en particulier à la décision américaine de sortir de l'accord de Paris, non pas tant parce que cette décision a entraîné beaucoup de défections, ça n'a pas été le cas, mais en revanche, d'une part parce que du coup, pendant 5 ans, il n'y a eu aucune action, au contraire, hein, le démontage d'actions qui était pourtant assez limité, hein, de réduction des émissions du côté américain, et d'autre part, évidemment, un message de ralentissement, de mettre le climat comme un sujet de moindre importance dans beaucoup de pays, et en particulier pour des pays comme le Brésil ou l'Australie, de mettre vraiment le pied sur le frein, voire éventuellement d'évoquer, comme l'a fait le président Bolsonaro à un moment, l'hypothèse d'un retrait, qui a été combattue de façon interne, très, très, très rapidement d'ailleurs, par y compris, et c'est intéressant, les milieux économiques brésiliens qui ont vu un grand danger du point de vue de l'ouverture des marchés et de la compétitivité brésilienne. Donc 5 ans difficiles pendant lesquels finalement des choses intéressantes se sont passées. D'abord, le fait que le relais sur vous savez, l'accord de Paris, c'est un accord entre gouvernements, bien sûr, mais qui a été conçu comme parce que le régime climatique, ça ne concerne pas que les gouvernements. Et puis, il y a beaucoup d'institutions qui ne sont pas représentées directement dans les négociations climatiques, qui ont un rôle très important dans les décisions sur le climat. Je pense aux institutions financières internationales, je pense à d'autres domaines. Hein. Il y a des domaines entiers qui ne sont pas dans les négociations climat. Je pense au secteur maritime, au secteur de l'aviation, etc. Donc, j'utilise souvent le terme « c'est un régime complexe », c'est un anglicisme un peu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises à l'extérieur de la négociation elle-même et qui doivent être mises en place ou mises en œuvre dans d'autres systèmes de gouvernance que la négociation de la Convention climat, mais qui ont autant ou parfois plus d'importance sur les résultats du changement climatique. Donc l'accord de Paris a évidemment intégré cette complexité. Et du coup, en se disant, il y a l'action des gouvernements qui sont engagés, qui présentent leurs engagements en 2015 et qui devaient et qui vont avoir à les revoir à la hausse en 2021 à Glasgow. C'est aussi des acteurs économiques, c'est aussi des institutions financières, c'est aussi
tout le monde qui doit s'engager sur les objectifs de l'accord de Paris et d'une certaine manière sur le calendrier que l'accord de Paris suppose, c'est-à-dire, au fond, on prend des objectifs globaux, on a une première vague d'engagement, c'est quand même un accord qu'on appelle le Pledge and Review, c'est-à-dire c'est des engagements qu'on revoit régulièrement, et ce rythme de révision par rapport à un objectif ambitieux, maintenir les températures en dessous de 2 degrés, si possible 1,5 degré, je vais y revenir tout à l'heure, et du coup, avoir un objectif de réduction des émissions nettes zéro, c'est-à-dire en soustrayant aux émissions la capacité de stockage de carbone ou des gaz à effet de serre, pour l'essentiel par la nature, hein, l'océan, les forêts, etc. C'est cela l'objectif global. Donc, ça veut dire qu'on a un objectif à long terme, enfin qui se rapproche hein, dans le temps, 2050 ou environ au milieu du siècle. Et de fait, l'engagement, c'est de revoir quels sont les engagements à court terme réitérés et toujours plus ambitieux qui permettent de prendre des trajectoires qui sont cohérentes avec cela. Cette explication est importante parce que c'est ce qui explique que pendant les 5 ans, même s'il y a eu le pied sur le frein lié à la présidence américaine qui a bloqué au G7, au G20, etc., on a eu toute une mobilisation. Au fond, c'est comme si les objectifs de l'accord de Paris étaient progressivement intégrés dans cette sphère plus large du régime climat par les entreprises. Alors, on a vu progressivement, sur la base de coalitions de nature diverse, au fond, se traduire quelque chose qui avait l'air très abstrait en 2015, cette notion de zéro émission nette en 2050, qui progressivement, via beaucoup de canaux, je n'ai pas absolument le temps de décrire, mais on pourra y revenir dans la discussion, ont commencé à devenir l'objectif annoncé, adopté, en particulier sur cette, on veut aller à zéro émission nette en 2050 ou avant, notamment pour un certain nombre de grandes entreprises de beaucoup de secteurs, encouragées en cela par la mobilisation et les évolutions dans la communauté financière internationale au sens large, les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, et progressivement aussi l'alignement des instances de régulation, en tout cas toujours pour l'instant sur une base volontaire, disons des banquiers centraux par exemple, enfin de tous ceux qui font la régulation du système financier, ont commencé à se rapprocher autour de cet objectif d'émission nette zéro. Et le temps avançant et les échéances de 2020-2021 connues par tout le monde, hein, se rapprochant, l'idée que ce qu'il fallait combler, c'était non pas seulement l'annonce de ces objectifs ambitieux de réduction d'émissions, mais plus précisément, et c'est tout l'enjeu de Glasgow qu'on voit déjà évidemment émerger, les trajectoires précises de décarbonation des activités de l'économie s'agissant des gouvernements, mais des activités s'agissant des entreprises, et maintenant on voit des autorités locales, des villes, etc. Donc cet objectif d'émission net zéro à 2050 ou proche, les plans précis pour y arriver, puisque évidemment sinon ces objectifs ne servent à rien, et donc qu'est-ce qu'on fait dans les 5 premières années, d'où toute la discussion autour des plans de relance mondiaux aujourd'hui, qui va occuper le G7, le G20 évidemment, qui est en plein dans la discussion du pacte vert. Tout ça, c'est ça qui a permis au fond de passer ces 5 ans d'une façon finalement plus dynamique, moins que ce qu'on aurait pu craindre, étant donné le retrait américain. Alors évidemment, les deux événements, le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, permet de redonner sur un terrain qui finalement a bougé beaucoup. On n'est plus du tout au même endroit en 2020 que nous, 21 que nous l'étions en 2015. C'est en cela qu'il y a maintenant beaucoup d'études qui paraissent pour montrer que l'accord de Paris a un effet. Il y a plusieurs travaux qui montrent cet effet, notamment dans l'économie réelle. Il y a plein évidemment d'éléments, les investissements technologiques, notamment dans les renouvelables, le passage maintenant imparable, hein, à l'électrification du transport, et j'en passe. Donc le retour américain change évidemment la donne, ça reconstitue un momentum politique dont j'espère qu'on va voir les résultats, c'est-à-dire l'accélération de ces engagements, leur précision, notamment encore une fois dans ce qui doit se passer à court terme pour que 2050 est une réalité, cette émission net zéro. Alors, les premiers signaux américains sont positifs.
D'abord, l'excellence de l'équipe climat que Joe Biden a constituée, qui est extrêmement, extrêmement cohérente, extrêmement intégrée, c'est-à-dire le volet domestique et national est complètement intégré au volet international, et avec des objectifs déjà qui sont signalés d'avoir une électricité zéro carbone en 2035, qui est ambitieux et très important. Sans doute au mois d'avril, d'ici le mois d'avril, on va voir l'annonce de la révision du plan national, de l'engagement américain, sans doute autour de 50 ou 55% de réduction des émissions par rapport à une base qui sera probablement encore 2005 et pas 1990, mais c'est à voir. Et surtout une diplomatie américaine qui va se redéployer évidemment et qui va appuyer et d'ailleurs aider la diplomatie européenne qui, elle, n'a pas faibli. Parce que le point très important de cette période, notamment à partir de 2018, a été le fait que l'Union européenne, en montrant clairement que quel que soit le contexte international, quels que soient les engagements des uns ou des autres, allait tenir l'idée d'abord d'adopter l'objectif d'émission zéro net en 2050, suivi, alors, en général pour l'Europe, qui a été une négociation évidemment intra-européenne, accompagnée par un certain nombre de pays qui avaient déjà fait le mouvement avant même cet accord général, notamment beaucoup de pays européens, au sein en particulier de ce qu'on a appelé la coalition pour la neutralité carbone. Donc, une Europe qui a dit 2050, on sera à net zéro, et en particulier sans achat, donc, en disant on va le faire sur le plan national et ensuite, et on l'a vu évidemment en 2020, un engagement de rehaussement de la contribution nationale à moins 55%, européenne, pardon, à moins 55% pour 2030. Donc, c'est ça l'ancrage européen et c'est évidemment ça qui se traduit dans le Green Deal, a été de dire quoi qu'il arrive et sans considération de conditionnalité, tout ce qui était encore dans la panoplie des annonces de 2015, on le fait de toute façon, c'est l'intérêt de l'économie européenne. Et du coup, lorsque les États-Unis reviennent dans le champ, ça n'est plus du tout la même structure, dans la mesure où l'Europe a énormément avancé, entraînant d'ailleurs derrière elle la Chine avec une annonce en septembre d'émissions net zéro à 2060, et ensuite le Japon et la Corée du Sud dans la même ligne. Et on voit évidemment encore beaucoup plus de pays rejoindre ce mouvement. Donc l'enjeu principal, c'est aujourd'hui de dynamiser les efforts, de créer une diplomatie, et c'est toujours évidemment un peu complexe, mais où les États-Unis et l'Europe travaillent de concert vis-à-vis des pays tiers, première chose. Deuxième chose, harmonisent suffisamment, si c'est possible, leur trajectoire pour que en fait, l'économie mondiale bascule définitivement dans le sens de cette transition et offre d'ailleurs au Royaume-Uni une grande chance de réussir Glasgow. Alors, est-ce que le Brexit a pour l'instant eu des impacts négatifs? Non, en tout cas de ce point de vue, et évidemment tout ça est très frais, il y a une coopération européenne avec la présidence britannique de la COP qui est, de façon assez étroite, puisque je conseille le Premier ministre britannique, plutôt très positive. La présidente britannique comprend bien les atouts européens pour avancer plus vite qu'elle, notamment vis-à-vis de la Chine, et avec tous les problèmes politiques évidemment très complexes. Ce que je note, c'est qu'il y a quand même, et sur le plan domestique, le Royaume-Uni a vraiment assuré en annonçant un relèvement du plan climat très ambitieuse, moins 68% par rapport à 90% en 2030, la fin de la vente de véhicules à essence en 2030, toutes sortes de choses qui sont des signaux importants. En revanche, évidemment, et ça c'est lié à la crise du Covid, une grande difficulté quand même à constituer, le réseau de pays amis qui vont faire que la COP de Glasgow relance vraiment la mise en œuvre, puisque c'est à partir de 2020 que l'accord de Paris s'applique effectivement, et avoir notamment ces engagements ambitieux pour 2030, et notamment les actions qui sont menées pour que tout ceci devienne crédible. Donc, il y a certainement encore beaucoup à faire pour aider le Royaume-Uni. Évidemment, la dynamique euro-américaine peut y aider.
C'est complexe avec le triangle chinois qui, évidemment, peut faire basculer les choses dans beaucoup de directions différentes. On a des signaux extrêmement contradictoires côté chinois. D'un côté, une continuation des investissements sur le charbon à l'intérieur comme à l'extérieur dans le cadre de la route de la soie. En même temps, d'autres annonces. Et évidemment, le lien que la Chine fait entre les questions de commerce, les questions de droits de l'homme et les questions du climat, en refusant d'essayer d'isoler le sujet climat comme un sujet de coopération vis-à-vis de sujets où là, au contraire, il y a évidemment des conflits et des tensions. Donc, un climat assez contrasté. Pour terminer, je voudrais dire deux choses qui me semblent importantes. Le G7 va être évidemment un moment très positif pour le climat, évidemment, ça on en est évidemment sûr. Tous les pays du G7 vont avoir s'être engagés sur un 2050, la neutralité carbone. Certainement, il faut espérer en tout cas une rehausse des contributions. On attend évidemment notamment le Japon pour 2030. Donc ça, le G7, ça va être un point d'ancrage important. Le G20 est plus compliqué. Il devrait être... un moment où vraiment le G20 joue un rôle clé pour assurer cette coopération mondiale, notamment à cause de la crise financière et économique qui évidemment atteint beaucoup de pays à cause du Covid. Donc le sujet du G20, c'est aussi la renégociation de la dette, des plans durables d'allègement, le lien entre ces allègements et l'application, la mise en œuvre des objectifs de développement durable. On va y revenir sûrement et je suis sûre que Stéphane Silinski va nous en parler puisque évidemment le Trésor français est évidemment très actif sur ce domaine. Donc il y a quelque chose du G20 et le lien avec la discussion financière de la dette qui est très importante. Il y a aussi l'alignement des flux financiers publics et privés avec l'accord de Paris, y compris les fonds dédiés à la relance. C'est pas encore fait. Il y a un mouvement, il y a une rhétorique, il y a un accord peut-être général. On peut espérer que le G20 aide cela, mais il y a encore beaucoup, on le sait, le financement des combustibles fossiles, y compris dans les plans français. Oui, on va y revenir effectivement dans voilà. Le débat. Et donc il y a un basculement de du panorama climat pur vers l'enjeu commerce et financement international qui va être, je crois, aussi la condition, notamment pour les pays les plus vulnérables, d'un succès à Glasgow. Voilà mon premier tour de table. Merci beaucoup, Laurence Toubiana, pour cette introduction très complète. J'ai noté que vous avez fait un lien très fort entre climat et économie et le rôle des entreprises et finalement le rôle du pacte vert comme outil de relance de l'économie européenne. Je propose à Antoine Colombani justement d'entrer dans le vif du sujet à propos de ce pacte vert, de rappeler quand, pourquoi il a été conçu, avec quels objectifs et quels principaux outils. Voilà, donc Monsieur Colombani, la parole est à vous et je crois que vous avez une petite présentation à nous proposer. Oui, merci Madame Pialot. Et à mon tour de remercier l'IGPDE d'organiser cette conférence et de m'y avoir invité. J'ai effectivement quelques slides, je ne sais pas si on peut me permettre de les partager. Là, ça n'est pas possible. Alors, moi, je peux. Voilà, ça y est. Ok, alors je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Alors, voilà, j'espère que vous pouvez voir correctement. Donc, je vais plutôt me concentrer, donc, après ce tour d'horizon des perspectives internationales hein, par Laurence Toubiana, plutôt me concentrer donc, sur la dimension interne à l'Union européenne. Donc le pacte vert, c'est une stratégie qui a été adoptée par la Commission européenne en décembre 2019. Je voulais rappeler que c'est la première stratégie mise sur la table par la nouvelle Commission issue des élections européennes de 2019. Et donc il s'agit d'une stratégie d'ensemble qui est un petit peu le cadre global pour
un grand nombre de politiques et de stratégies, dont vous avez un peu un aperçu sur cette slide. Et je pense peut-être la nouveauté, la particularité à mettre en avant, c'est vraiment la volonté de couvrir l'ensemble des objectifs environnementaux en intégrant les éléments liés à la protection de la biodiversité, à la circularité, à la réduction de la pollution, etc., au-delà du domaine classique des politiques européennes, entre guillemets, qui était un peu le cluster, disons, énergie-climat. Alors, quels sont les grands objectifs politiques? Évidemment, la neutralité climatique en 2050, qui depuis a donc été est un objectif qui a été adopté, agréé par le Conseil européen, donc les chefs d'État et de gouvernement, et avec une étape intermédiaire en 2030, pour laquelle on vient de relever également le niveau d'ambition en passant d'un objectif de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre à moins 55%. L'autre objectif, je l'ai mentionné, la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Alors là, je vais moins en parler maintenant, mais on s'est doté d'un certain nombre d'objectifs en matière d'augmentation des aires protégées en Europe, des objectifs en matière de restauration de la nature aussi qui sont à venir, mais aussi d'utilisation des pesticides, etc., etc. Et puis, élément très important, le pacte vert a été présenté par la Commission européenne, par la nouvelle présidente de la Commission européenne, comme la stratégie de croissance de l'Union européenne, ce qui est, à mon avis, un message politique fort qui n'a pas de précédent, le fait de considérer comme ça une stratégie environnementale comme étant la stratégie de croissance. Et donc, l'idée, c'est de découpler la croissance du PIB de l'utilisation des ressources, avec donc le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Alors, pourquoi une stratégie de croissance ? Parce que on considère que atteindre tous les objectifs que j'ai mentionnés, notamment la neutralité climatique, est la condition de notre prospérité future en Europe. Il faut penser à tous les coûts considérables de la non-action, entre guillemets, les coûts évidemment des catastrophes naturelles, de la sécheresse, des inondations, mais aussi potentiellement de l'instabilité financière que tous ces dégâts pourraient générer. Et puis, l'idée, c'est aussi, en réalisant un peu ce changement structurel de l'économie européenne, parce qu'il s'agit bien d'un changement structurel majeur, de casser le sentier de dépendance, entre guillemets, de l'économie carbonée dans lequel nous sommes encore, pour libérer toutes les potentialités de l'économie verte, de l'innovation verte, qui doit nous permettre de construire justement cette croissance durable, neutre en climat, économe en ressources, etc., etc. Respectueuse des écosystèmes, bien sûr. Dernier élément sur lequel j'aimerais insister, c'est la transition juste. Alors, c'est vraiment un élément qui est placé au cœur de la stratégie, ce qui est aussi un petit peu une particularité du pacte vert par rapport à d'autres stratégies environnementales par le passé. Et donc, il y a tout un volet d'accompagnement des régions et des salariés qui sont les plus affectés par la transition, qui évidemment n'affectera pas tout le monde de la même manière, et notamment n'affectera pas les territoires de la même manière. Et donc l'idée, c'est vraiment de considérer cette dimension de justice sociale, pas seulement comme un élément d'accompagnement de la transition, mais véritablement comme une condition nécessaire pour que cette transition elle-même advienne. Alors, peut-être un zoom maintenant sur la neutralité climatique, l'objectif de neutralité climatique. Donc là, vous avez un peu une idée de la trajectoire telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre le net zéro en 2050. Donc, il faut qu'à cette date, les émissions résiduelles soient compensées par les puits de carbone, avec donc l'étape intermédiaire à au moins moins 55 en 2030. Alors là, pour l'atteindre, je ne vais pas m'arrêter sur tous les secteurs, mais évidemment la décarbonation du système énergétique est une priorité, c'est 75% des émissions. On y arrivera en grande partie par l'électrification,
par des gains d'efficacité énergétique, par une plus grande intégration aussi du système énergétique dans son ensemble. Pour donner une idée, d'ici 2050, la part de l'électricité dans la demande d'énergie finale doit au moins doubler pour atteindre environ 50, plus de 50%. La production d'électricité va aussi augmenter de manière substantielle, plus de deux fois et demi ce qu'elle est aujourd'hui. D'ici 2050, 80% de l'électricité, selon donc l'étude d'impact qu'on a réalisée, devrait venir des sources renouvelables. Et donc d'ici 2030, pour revenir à la perspective 2030 qui nous occupe dans un premier temps, il faut doubler la part des renouvelables dans la production d'électricité pour atteindre environ 65%. Évidemment, je l'ai dit, les gains d'efficacité énergétique devront s'accroître, donc pour atteindre 36% à peu près de la consommation d'énergie finale en 2030. La plupart des gains à réaliser sont dans le bâtiment. Et pour ça, donc le rythme de rénovation des bâtiments doit doubler pour atteindre 2% au lieu des 1% actuels, donc sur la période d'ici 2030. Alors, les secteurs du transport et de l'industrie sont plus difficiles à décarboner. Et là, il faut dire clairement, je pense que le prix du carbone ne suffira pas. C'est également le cas d'ailleurs pour la rénovation des bâtiments, mais on aura vraiment besoin d'un mix de prix du carbone et d'instruments réglementaires, d'incitations financières, etc. Pour les transports, peut-être pour s'y attarder un instant, il s'agit de remplacer les voitures par des véhicules zéro émission. Hein, toutes les voitures devront être zéro émission en 2050. Il faut aussi en passer par plus d'utilisation des transports publics. Pour les secteurs comme les poids lourds, le transport aérien et maritime, l'hydrogène et les carburants synthétiques joueront un grand rôle. Il faudra aussi du report modal vers le ferroviaire, les voies fluviales. Donc voilà, on a besoin d'une stratégie globale sur le transport dont on vient de se doter à la fin de l'année dernière, sur réglementation, infrastructure, etc. Sur l'industrie, notamment les secteurs clés pour les émissions, hein, que sont l'acier, le ciment, la chimie, les gains d'efficacité énergétique qu'on a pu déjà observer au cours de la période écoulée ne suffiront pas, hein, à terme. Il faut déployer à grande échelle les solutions bas carbone, hein, les process industriels bas carbone d'ici 2030 pour qu'ils puissent jouer tout leur rôle dans la période ensuite 2030-2050. Donc ça passe par l'électrification, l'hydrogène, la capture du carbone, etc. Le rôle évidemment aussi de l'économie circulaire, du recyclage. Et puis enfin, pensez évidemment aux puits de carbone dont on aura grand besoin, donc les sols, l'agriculture, les forêts. Il faudra garder des puits de carbone significatifs pour compenser les émissions résiduelles qui resteront toujours à la fin, notamment dans l'agriculture. Alors, très brièvement sur l'impact macroéconomique, donc on trouve un impact relativement faible sur le PIB globalement, hein, il s'agit bien d'un changement structurel avec un impact globalement neutre. Évidemment, l'impact sectoriel sera important, hein, certaines activités vont décliner, d'autres vont croître, avec un impact donc plus important pour certains territoires, comme je l'ai dit, d'où l'importance de la transition juste. Mais quand même, l'impact sur le PIB peut être positif si on utilise les revenus de la tarification carbone, si on investit donc dans ces investissements verts dans une situation où l'économie n'est pas à pleine capacité, qui est justement la situation dans laquelle on se trouve. Donc, il y a un vrai sens à avoir une relance verte, qui est ce qu'on essaie évidemment de défendre dans les plans de relance aujourd'hui. Et puis, bien sûr, si on utilise les revenus, notamment de la tarification du carbone, de la fiscalité verte, pour baisser, par exemple, la fiscalité sur le travail, on a évidemment des gains de croissance également. Alors, comment arriver à faire cette transition? Il y a toute une partie du cadre, l'adaptation du cadre réglementaire, du cadre législatif de l'Union européenne à ses objectifs. On est en train de finaliser les discussions sur la loi climat qui va inscrire l'objectif de neutralité dans la loi, qui va aussi inscrire l'objectif de moins 55% dont j'ai parlé.
Et puis, plus tard cette année, d'ici le mois de juin, on va mettre à jour un peu l'ensemble de la législation sectorielle pour l'adapter à ce nouvel objectif de moins 55. Alors, il s'agit de l'adaptation, évidemment, du système d'échange de quotas émissions, système ETS. Donc, il faudra évidemment adapter le plafond d'émissions, mais on réfléchit aussi à l'extension à de nouveaux domaines, notamment le transport maritime, le bâtiment, le transport, donc aller au-delà de l'énergie et de l'industrie qui sont actuellement couverts. Et puis, évidemment, on souhaite baisser aussi les allocations gratuites dont bénéficie aujourd'hui le secteur aérien. Donc, l'avantage en étendant ce système, c'est finalement d'utiliser à plein le caractère efficient, hein, l'efficacité coût d'un système de permis d'échange d'émissions qui couvre une grande partie de l'économie, mais enfin, on est encore en train d'évaluer l'impact, disons, de ce changement et d'étudier les différentes options. Il faut agir évidemment de façon complémentaire avec nos objectifs en matière de renouvelables, d'efficacité énergétique, réviser les standards de CO2 des voitures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut tous ces changements réglementaires aussi pour mener à bien cette transition. On prévoit aussi de mettre sur la table une proposition d'ajustement carbone aux frontières, qui serait une nouveauté. Donc aujourd'hui, pour éviter les fuites de carbone dans l'industrie, on utilise les allocations gratuites dans le cadre du système ETS. Donc l'idée, ça serait d'avoir à la place un autre instrument qui serait justement l'ajustement carbone aux frontières. Évidemment, il faut le proposer de manière qui soit totalement compatible avec les exigences de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis, bon, je ne vais pas mentionner tous les éléments réglementaires, hein, tout l'agenda réglementaire qui est beaucoup plus vaste que ce que vous voyez mentionné ici, évidemment, mais peut-être un petit zoom sur le nouveau cadre législatif qu'on souhaite instaurer pour les produits soutenables. Donc l'idée là, c'est de s'assurer que les produits soient bas carbone et circulaires dès leur conception. On a déjà un exemple avec la proposition de règlement qu'on vient de faire sur les batteries, où dans ce règlement, il y a par exemple des éléments comme la déclaration obligatoire du contenu carbone, hein, de tous les produits mis sur le marché en Europe, avec ensuite dans un deuxième temps des labels par classe de produits, et puis à terme une empreinte carbone maximale pour les batteries qui pourraient être définies, et puis des éléments liés à la circularité également, avec un contenu minimum de matériaux recyclés, des critères de performance, de durabilité. Donc l'idée, c'est d'avoir des produits qui soient à la fois bas carbone et conçus dès le départ pour être réparés, réutilisés, puis si nécessaire, recyclés, donc dans la logique de la circularité. Alors très brièvement, parce qu'on va y revenir dans la discussion, donc pour la neutralité climatique, au-delà des aspects réglementaires, un effort d'investissement très significatif est nécessaire, vous en avez un aperçu ici, donc on estime que c'est à peu près 350 milliards d'investissements en plus chaque année au cours de la prochaine décennie, donc qui s'ajoute au rythme d'investissement qu'on avait sur la décennie précédente. Et donc voilà, d'où l'importance de mobiliser tous ces financements. Et aujourd'hui, évidemment, avec la pandémie, tout ça se fait dans le cadre de la réflexion sur la relance. Il faut des plans de relance qui soient orientés vers la transition verte. Et le paquet, disons, européen de relance qui est formé par le nouveau cadre financier pluriannuel, plus donc l'instrument de relance Next Generation EU, donc par lequel on va emprunter de manière commune sur les marchés financiers pour financer les plans de relance nationaux. Donc 30% de ce paquet global devra correspondre aux objectifs climatiques. Et puis, dans ce paquet, vous avez l'instrument donc de financement des plans de relance nationaux, la facilité de relance et de résilience de 672 milliards. Donc là, c'est 37% de ce paquet-là qui doit être orienté vers le climat, avec l'idée que, évidemment, le principe que les deux autres tiers soient compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris, donc respectent la logique « ne pas nuire », entre guillemets.
Évidemment, il faudra d'autres investissements publics aussi au cours de la décennie qui vient. Il faudra que l'investissement privé aussi soit réorienté vers les bonnes priorités, d'où l'importance du travail que l'on fait au niveau européen sur la finance durable avec la taxonomie, etc. Mais je vais m'arrêter là sur ce tableau général, comme j'ai déjà dépassé mon temps de parole, pour qu'on puisse y revenir dans la discussion. Merci beaucoup. Bonjour, rebonjour. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. Bon, parfait. J'espère que c'est le cas des autres intervenants. Donc, je voulais remercier Antoine Colombani pour cette présentation. Peut-être juste rappeler, parce que je ne l'ai pas fait, contrairement à ce que j'avais prévu, en introduction, les montants quand même du pacte vert, hein, qui était de 1 000 milliards d'euros sur 10 ans, et du plan de relance dont il vient de donner des détails avec le fonds Next Generation EU de 750 milliards d'euros et l'adoption récente du budget européen 2021-2027 pour 1 100 milliards, dont une partie directement dédiée au sujet du climat. Je pense qu'on reviendra plus tard dans le débat sur quid du solde, même si M. Colombani a déjà précisé qu'il devait être en tout cas conforme au principe du « do no harm » en bon français, donc ne pas nuire aux objectifs climatiques, mais bon, on reviendra là-dessus, je pense. Ouais, maintenant, j'aimerais donner la parole à M. Zinevski, pour parler de l'aspect plus national, de ce qu'on fait en France, et notamment que vous nous expliquiez quelle est la contribution française au pacte vert européen et quels seront les impacts pour la France des changements récents intervenus dans les objectifs climatiques européens, notamment le passage des moins 40 à moins 55% de réduction de gaz à effet de serre à l'échéance 2030. Merci beaucoup, très content d'être ici parmi vous. Peut-être comme vous y avez fait référence en introduction, peut-être je vais me présenter un peu plus en détail, puisqu'effectivement le poste que j'occupe aujourd'hui, donc délégué aux questions climatiques et environnementales à la DG Trésor, est un poste récent qui a été créé en septembre dernier, il y a 5 mois. Donc c'est à la fois une reconnaissance de l'importance de ces sujets et d'à quel point ils ont essaimé dans l'ensemble de l'organigramme, puisque autant il y a 10 ans, ces sujets étaient traités essentiellement par un seul bureau au sein de la direction, le bureau environnement et agriculture. Aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont traités dans chacune des sous-directions du Trésor, et à l'image de ce qu'indiquait Philippe Kahn en introduction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du ministère et l'ensemble du Trésor sont mobilisés sur ces questions de transition écologique. Donc la création de ce poste, c'est à la fois une reconnaissance de ce travail et une déclaration d'intention pour poursuivre le mouvement et en faire davantage. Et tout cela apparaîtra en détail, je pense, dans le plan d'action climat auquel a fait référence Philippe et qui sera publié normalement très prochainement. Maintenant, pour en venir à votre question sur la contribution de la France au Green Deal, je vais procéder en deux étapes. Peut-être la première étape, c'est expliquer quels sont les principes que la France a défendus et continue à défendre dans l'élaboration et la mise en œuvre de son plan. Et deuxièmement, ce sera un petit peu plus bref, puisqu'on manque encore aujourd'hui d'informations, sur la manière dont cette mise en œuvre se décline au plan national. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais quand même insister sur un point, en tout cas moi qui me frappe depuis les quelques mois que je travaille sur ces questions, c'est à quel point l'échelon européen est vraiment incontournable pour agir et peser sur ces questions. Bon, alors c'est pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est une évidence, c'est que l'Union européenne permet de faire masse. La France, c'est 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est autant que la Pologne à peu près, deux fois moins que l'Allemagne. Donc il est évident que l'UE, c'est l'échelon qui nous permet de peser à la fois concrètement sur le climat, même si ensemble on pèse qu'à peu près 9%, mais aussi dans les négociations internationales.
La deuxième raison un peu plus terre-à-terre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la quasi-totalité des réglementations environnementales sont élaborées au niveau européen. C'est vrai à la fois pour les outils communautaires tels que le système d'échange et de quotas d'émissions, qui couvre 40% des émissions de l'Union européenne, mais aussi pour un certain nombre de standards sectoriels, par exemple les normes d'émissions des automobiles, etc. Monsieur Colombani, il faisait déjà référence. Et c'est un point important dont on se rend compte aujourd'hui, par exemple, quand on cherche à transcrire les propositions de la Convention citoyenne climat, c'est que pour un certain nombre d'entre elles, il faut relayer au niveau européen, voire s'assurer de la cohérence avec le dispositif européen. Donc alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, quels sont les principes qu'on a défendus dans l'élaboration de ce Green Deal? Alors la première chose, c'est qu'effectivement, la France fait partie des plus fervents supporters du Green Deal depuis 2019. On a défendu une ambition qui irait aussi loin que possible, en sachant que la France fait partie aujourd'hui des quelques rares pays européens qui ont déjà inscrit dans la loi l'objectif de neutralité carbone. Et donc, il est important pour nous maintenant que cette loi climat en fasse autant et inscrive, si je puis dire, dans le marbre, non seulement cet objectif, mais aussi la trajectoire qui la crédibilise, c'est-à-dire le moins 55 en 2030. Je voudrais ajouter aussi une idée qui est que M. Colombani a insisté sur le fait que ce Green Deal permettait de concilier la croissance et la transition écologique. J'ajouterai aussi une dimension qui est importante pour la France, qui est celui de solidarité européenne. Donc c'est quelque chose qu'on a défendu, notamment lors du Conseil de juillet dernier, qui a accouché du plan de relance et qui s'inspirait lui-même très fortement du plan franco-allemand proposé à la fin du printemps. Donc il est tout à fait révélateur, il me semble-t-il, que ce plan de relance, en grande partie tourné vers la transition écologique, soit quelque part la première manifestation de la mise en commun de ressources communautaires, puisque le plan Next Generation EU sera financé pour la première fois par des ressources qui seront levées au nom de l'Union européenne et pas fournies par les États membres. Ça, c'est au niveau de la mobilisation des ressources. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que plus loin dans les années à venir, alors on n'a pas réussi à se mettre en commun lors de ce Conseil sur l'identification de taxes communes qui permettront de rembourser ces crédits, mais on a adopté une feuille de route qui identifie plusieurs pistes de ressources fiscales, et parmi celles-ci, il y a le système de quotas d'émissions et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, en plus d'une taxe numérique. Donc là aussi, je pense que c'est tout à fait révélateur que la première fiscalité communautaire pourrait être justement adossée à l'environnement. Maintenant, d'autres priorités qu'on a poussées dans l'élaboration du Green Deal, c'est, alors vous y avez fait référence plusieurs fois, c'est le concept de ne pas nuire. Donc ça, c'est quelque chose, j'y reviendrai peut-être plus tard, qu'on a déjà appliqué au niveau de France Relance, donc le plan de relance français de 100 milliards. Et c'est quelque chose qu'on a plaidé au niveau européen et qu'on cherche d'ailleurs, pour tout vous dire, à porter également au niveau du G20 dans les plans de relance des autres grands pays au niveau mondial, puisqu'en fait, c'est vrai que vu de la France et vu de l'Europe, aujourd'hui, ça nous paraît presque évident, c'est devenu presque une évidence d'essayer à concilier la relance économique avec les objectifs de transition, mais en fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est loin d'être le cas. Par exemple, une étude de l'OCDE avait montré au printemps dernier qu'il y avait 24 pays qui avaient, à l'occasion de la crise, amoindri ou desserré des réglementations environnementales et donc détérioré l'impact de l'économie sur l'environnement. Un rapport du PNUE aussi, publié, l'Emission Gap Report, publié en fin d'année dernière, montre que certes, les émissions devraient baisser de moins de 7% au niveau mondial l'année dernière, mais il n'est pas du tout exclu qu'à moyen long terme, ce petit gain soit mangé, voire surcompensé par une détérioration. C'est quelque chose qu'on avait observé d'ailleurs lors de la crise de 2009. Et voilà. Et donc le deuxième principe qu'on a beaucoup défendu lors des négociations, c'est d'avoir un taux de verdissement le plus important possible dans les financements européens. Donc là aussi, M. Colombani a fait référence, 30% du budget communautaire et 30% de Next Generation EU.
donc 1 800 milliards d'euros tout compris, seront ciblés sur des activités vertes. La proposition initiale était de 25% et la France plaidait pour 40%. Donc évidemment, on aurait aimé que ce soit davantage, mais c'est tout à fait, c'est quand même un résultat tout à fait significatif. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, mais on y reviendra peut-être plus tard lorsqu'on parlera de finances vertes, c'est que de notre point de vue, il est important de ne pas simplement se concentrer sur le financement des activités vertes stricto sensu, donc on pense typiquement aux énergies renouvelables, etc. Il est important aussi de mettre en place les outils qui permettront d'accompagner la transition de l'ensemble des activités économiques. Et donc, quand on parle de cela, on parle d'un champ beaucoup plus large, et c'est ce à quoi devrait nous aider la taxonomie. Donc, il y a un projet très, très ambitieux et novateur en cours de déploiement. Bon, maintenant, pour en venir au deuxième point de votre question, qui est comment tout cela se déclinera au niveau français. Alors, très brièvement, on ne sait pas encore. Donc, ça, c'est la réponse courte, pour une raison simple, qui est que le paquet législatif, donc Fit for 55, à laquelle faisait référence M. Colombani, il est encore en cours d'élaboration. Il va être rendu public au cours du premier semestre. Et à l'intérieur de ce paquet, les arbitrages ne sont pas rendus à la fois entre les différents secteurs, puisque les différents outils auxquels on faisait référence, c'est-à-dire à la fois le système de quotas d'émission qui s'applique à l'industrie et à l'énergie, le système de partage de l'effort qui s'applique au transport et en bâtiment, et le système d'utilisation des sols, donc couvrent des secteurs différents. Leur périmètre pourrait éventuellement évoluer, leurs paramètres pourront également évoluer, et donc au total, selon l'arbitrage qui sera proposé, l'effort demandé à tel ou tel pays pourrait être différent. Ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que la France n'a pas de position fermée sur le bon équilibre entre ces différents outils. On défend plutôt des principes qui sont d'abord la recherche de la meilleure efficacité coût dans la réduction des émissions et pas simplement un système de proportionnalité bête et méchant. Ensuite, on insiste beaucoup sur la pertinence de l'outil de tarification carbone pour atteindre les objectifs très ambitieux que nous sommes fixés. Donc, tarification carbone, ça peut être soit une taxe carbone, soit le système de quotas d'émission, soit une combinaison des deux. Je rappelle par ailleurs que la France est l'un des rares pays européens à avoir déjà mis en place une taxe carbone, même si pour des raisons qu'on connaît tous, elle a été gelée depuis fin 2018. Et puis, une autre chose que l'on pousse beaucoup, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. On est aussi donc l'un des, je vais pas dire l'un des concepteurs initiaux de l'idée, mais en tout cas on a beaucoup poussé pour que cette idée soit reprise aujourd'hui par la Commission, et on attend avec impatience qu'une proposition concrète soit mise sur la table lors du premier semestre. Je rappelle que le Haut Conseil au climat a publié l'année dernière un rapport sur l'empreinte carbone de la France qui montre que celle-ci, donc les émissions carbone associées aux importations et à l'aviation internationale, équivalent à 70% des émissions du territoire national. Et si on fait le total des deux, pour avoir la vraie contribution aux émissions de gaz à effet de serre de la France, le total des deux, certes, diminue légèrement depuis 2005, mais reste encore supérieur au niveau de 1990. Donc pour nous, il est absolument incontournable de traiter ce sujet des fuites carbone pour véritablement avoir un impact au niveau de la planète. Alors, maintenant, peut-être pour terminer, où en est-on au niveau national? Donc, je vais quand même vous donner quelques chiffres. Le dernier relevé en 2019 indiquait que des émissions de gaz à effet de serre de la France de 441 millions de tonnes équivalent CO2, donc 20% au niveau de 1990. Je rappelle que l'antéprécédent objectif de l'Union européenne, c'était moins 20% pour 2020. Donc, au niveau communautaire, on y sera très certainement, avec notamment le coup de pouce, je veux dire, de la crise du Covid. Maintenant, s'agissant de l'objectif actuel avant adoption de la loi climat, c'est-à-dire le moins 40% jusque 2030, qui est aussi celui sur lequel se base la SNBC française qui a été révisée l'année dernière, aujourd'hui, on y est vraiment tout juste, hein, sur la base des chiffres de 2019. 2020, là aussi, va nous donner un coup de pouce, mais disons que déjà aujourd'hui, la SNBC qui s'appuie sur la trajectoire moins 40%,
est relativement ambitieuse puisqu'elle propose, comme vous le savez, une trajectoire d'émissions qui va aller en s'accentuant. Je rappelle par ailleurs que le premier budget carbone 2015-2018 avait été dépassé, donc on avait dérapé déjà nos propres objectifs qui étaient pourtant moins ambitieux. Donc tout ça pour vous dire que certes, d'une part, on a soutenu lors du conseil de décembre dernier l'adoption de cet objectif de moins 55%, parce que pour nous, il était important, comme l'a dit Madame Tubiana, que l'Union européenne continue à montrer l'exemple et fournisse en amont de la COP26, si possible, donc dès 2020, une contribution déterminée ambitieuse et actualisée. Cela étant dit, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore exactement à quel niveau ce moins 55% va se traduire au niveau français. Tout dépend des arbitrages qui seront proposés sur le partage de l'effort entre les différents secteurs et différents pays. Ce que je peux dire, c'est que d'après les calculs du Trésor, ça pourrait être quelque part entre moins 55 et moins 60%. Et si l'objectif qui nous est demandé est un peu trop élevé, ça pourrait nous conduire à devoir mettre en œuvre une trajectoire convexe, c'est-à-dire ça pourrait nous obliger à avoir une trajectoire d'émissions plus importante sur 2020-2030 que sur les années suivantes. Et donc ça pourrait poser quand même un problème, à la fois d'un point de vue financier, puisqu'on devrait mettre en œuvre des réductions excessivement coûteuses, mais aussi d'un point de vue politique et d'acceptabilité. Donc il y aura quand même un équilibre délicat à trouver. Voilà, peut-être je m'arrête là et puis peut-être je reviendrai plus tard sur les questions plus spécifiques notamment de France Relance, si vous en êtes d'accord. Oui, oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, parce que comme le temps passe vite et que j'ai encore un certain nombre de questions à vous poser à chacun d'entre vous, plus quelques questions qui commencent à tomber sur nos téléscripteurs, que je vous poserai à chacun d'entre vous quand je vous redonnerai la parole lors du prochain tour de table pour essayer de gagner du temps. Donc, merci pour cette présentation au niveau français. Je vais redonner la parole à Laurence Tubiana. Alors, peut-être, j'ai ma première question sur le rôle que joue le pacte vert. Enfin, en quoi ça peut avoir une incidence sur la place qu'occupe l'Europe sur la scène de la diplomatie climat internationale? Et surtout, j'aurais bien aimé aussi votre point de vue sur le pacte vert, puisque c'est quand même le sujet central de ce débat. Est-ce qu'il vous semble à la hauteur des ambitions affichées, aussi bien en termes de montant que dans ses modalités de mise en œuvre? Merci. Alors, oui, le pacte vert est central pour la diplomatie climatique mondiale. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, c'est ça qui a à mon sens envoyé le signal très important à la Chine et qui a permis, enfin qui a finalement poussé les autres pays à s'aligner, en tout cas sur l'objectif de long terme. On n'en est pas du tout encore là, évidemment, sur les objectifs de 2030. Donc ça, c'est tout à fait important. La deuxième chose très importante, c'est que, c'est pour ça que j'ai beaucoup proposé, y compris à Frans Timmermans et à d'autres responsable européen, on devrait aujourd'hui parler davantage de la Green Deal diplomatie, de la diplomatie du pacte vert que du climat, parce que c'est toute l'économie qui est en jeu, et c'est ça la valeur du Green Deal, c'est ça la valeur d'ailleurs de la discussion sur le plan de relance, et évidemment, c'est pas que le climat, c'est beaucoup de choses, et surtout se mettre sur une trajectoire dont Monsieur Colombani, Monsieur Sinifsky ont rappelé, c'est pas évident à faire. Donc c'est une transformation de l'économie dans tous ses aspects, hein, tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur qui échappe. J'ai vu que dans le chat on parlait de l'agriculture. Il n'y a aucun secteur qui peut dire si on doit être net zéro en 2050, passer à d'autres secteurs de le faire. Ça ne marchera pas comme ça. Il y a certainement une optimisation des coûts de réduction dans le temps, mais en 2050, il n'y a pas de miracle. Hein. Il faudra que l'économie zéro carbone, ça soit la nouvelle norme. Donc c'est ça qui est très important, c'est l'approche toute économie. Je pense que ça permet à l'Europe de jouer son rôle, notamment dans la discussion du G20 dont on a déjà parlé de façon en montrant que c'est le pari de croissance et de prospérité économique qu'on a choisi. Et l'effet de démonstration est central puisqu'il y a beaucoup de doutes quand même. Et ce qu'on voit aussi, Stéphane Sinifsky le rappelait, il y a beaucoup de pays qui ont, enfin pas mal de pays qui ont certains alléger les contraintes environnementales, d'autres tout simplement pas fait grand-chose ou continuer à maintenir
la structure économique telle qu'elle est, avec encore une fois des informations contradictoires qu'on peut avoir sur la situation chinoise. Donc, très important aussi que dans un moment, et on l'a vu avec notre crise des Gilets jaunes, la question de la politique climat et l'action climat soit une action qui mette la justice sociale au cœur, parce que on est dans une période où la crise a accentué quand même la croissance des inégalités partout dans le monde, y compris dans des pays où on a des mécanismes très puissants de redistribution, par exemple comme en France. On va sortir de la crise avec des effets mondiaux évidemment de pauvreté accrue, mais aussi y compris dans les pays comme le nôtre. Et donc, si l'action climat ne s'accompagne pas d'un impératif de justice sociale, avec beaucoup de questions sur comment on fait, sur lesquelles je n'ai pas la réponse, on aura un rejet très profond des sociétés. Or, on ne peut pas engager cette transformation sans un soutien des sociétés. Alors, est-ce que le Green Deal, c'est assez? Bon, déjà, on peut être content d'être européen ces jours-ci, c'est quand même un moment historique sur la solidarité financière, c'est un moment historique sur avoir mis cette question du développement durable et en particulier du climat au centre de la politique, des choix d'investissement. Évidemment, toute l'ambiguïté, on le voit, il y a une grande bataille, comme vous le savez, sur qu'est-ce qu'on définit qui ne fait pas de mal. Stéphane Signaski disait on veut ne pas faire de mal. Bon, il y a évidemment une zone grise, tout le débat très vif aujourd'hui sur la question du gaz que la Banque européenne d'investissement a entamé, avec les tensions qu'on connaît avec la Pologne, avec l'Allemagne, avec beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de secteurs qui peuvent être à net zéro, on le voit même sur les secteurs très difficiles comme l'acier, le ciment, mais il faut vraiment qu'ils y aillent. Et du coup, toutes les décisions. Le problème, c'est la course contre la montre. Et Stéphane Signeski le rappelait très justement, on a si on s'était décidé net zéro en 2010, pourquoi pas, évidemment, il aurait fallu commencer beaucoup plus tôt, les courbes de réduction des émissions, elles commencent à devenir super sévères, parce qu'il faut accélérer énormément. Et ça veut dire que chaque investissement d'aujourd'hui, notamment dans les infrastructures, il gèle, il contraigne dans un schéma d'émissions sur lequel ça sera très difficile de revenir. On ne va pas réduire les émissions en 2049, c'est pas possible. Donc il y a ce souci mon souci principal, c'est que le ne pas faire de mal soit vraiment quelque chose qui fasse pas de mal, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas le blocage des structures d'investissement dans quelque chose qui va générer des émissions encore pendant 10, 20, 30 ans. Et c'est évidemment le secteur électrique, c'est exactement le secteur électrique. Et lock-in, l'enfermement, en fait. Et c'est vraiment, le grand enjeu, du débat, et puis de faire ces choix d'investissement. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est le gaz qui est vraiment dans la lumière, mais évidemment, il y a d'autres secteurs aussi. Je pense au secteur routier, au secteur du transport, des infrastructures de transport. On arrête de faire des routes, on fait du train, par exemple. Bon. Donc ça, c'est, je crois, le grand débat. Et si j'ai une question, c'est moins sur le volume financier, même si le fonds de transition est probablement trop, trop faible pour répondre à toutes les choses. L'effet de levier de ces fonds publics, très important, mais surtout le double arme qu'il faut regarder très soigneusement, avec tout ce débat sur la toxicomanie sur lequel on reviendra tout à l'heure. C'est prévu, j'espère qu'on va avoir le temps, merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question qui est en fait s'adressée, qui est tombée pendant la présentation d'Antoine Colombani, mais je pense que comme vous venez d'y faire référence, peut-être quelques mots en réponse aussi, Laurence Tubiana, un des spectateurs demandait quels étaient les critères d'une transition juste. Alors je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Le début de la réflexion a été clairement qu'est-ce qu'on trouve comme emploi de remplacement dans les territoires impactés, par exemple par la fermeture des centrales à charbon. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Des choses intéressantes qui ont été décidées par l'Espagne, c'est-à-dire de commencer à… au fond, transition juste, c'est aussi transition démocratiquement juste, c'est-à-dire que ceux qui sont impactés et vraiment voient au chapitre sur la manière dont les activités vont être transformées. Et je trouve que le plan espagnol de fermeture des centrales à charbon dans le nord de l'Espagne est intéressant parce que c'est, disons, la discussion et les décisions de transition étaient prises en accord avec les syndicats, les entreprises, les autorités locales.
les citoyens avant de fermer vraiment. Hein. Donc, je pense que cet aspect d'anticipation, on associe les gens, tous les acteurs impactés à la transition avant de que le, je dirais que les décisions ou la matérialité hein, des fermetures d'usines, de centrales arrivent. Deuxièmement, je pense qu'il faut, c'est quelque chose d'assez global, hein, la question justice sociale, c'est pas juste voilà ce qu'on fait dans le secteur automobile parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être transformés ou supprimés. Et donc, c'est sans doute tous nos systèmes d'amortisseurs sociaux, de revenus minimum. Je pense qu'on ne va pas pouvoir penser la transition juste avec des mesures sectorielles ou spécifiquement territoriales, ce qui est pour l'instant le cas. Mais je pense qu'on devra, je vais peut-être m'arrêter là, avoir une réflexion sur un peu l'évolution du contrat social en Europe. Il y a plein de différences entre les pays, mais il y a quelque chose qui va, étant donné encore une fois la nature de la transformation économique, sachant qu'il ne faut pas oublier que ça s'accompagne de transformations qui avaient lieu, qui étaient déjà en route, hein, notamment par la digitalisation de l'économie, qui va de pair avec le Green Deal. Donc cette transformation des métiers, des emplois, en plus dans un contexte après-crise, je pense que ça signifie qu'il faut avoir, en tout cas c'est ce pourquoi je plaide, une réflexion sur le contrat social un peu plus général que les fonds spécifiques pour la transition juste qui me paraissent, de ce point de vue-là, beaucoup trop limités. Merci beaucoup Laurence Toubiana. Je vais donc redonner la parole à Antoine Colombani. Même question sur, et si possible, réponse pas trop longue sur ce que c'est qu'une transition juste. Et puis aussi, il y a des questions concernant la cohérence entre les différentes politiques européennes que d'ailleurs Madame Toubiana a relevées, notamment la PAC. Oui, difficile d'être court sur ces sujets, mais je vais essayer. On fait de notre transition. Mieux, on vous écoute. Moi, je mettrai en avant deux éléments principaux hein, sur la transition juste. C'est d'abord, on l'a rappelé, le volet justement territorial. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un mécanisme de transition juste qui inclut notamment hein, parmi différents éléments un fonds donc de 17,5 milliards qui vise à accompagner les territoires les plus impactés dans tous les États membres, les plus impactés par la transition, avec évidemment un effort très prononcé là où les enjeux sont les plus forts, et c'est en particulier des pays d'Europe centrale et orientale. On pense aux régions qui produisent du charbon en Pologne, par exemple. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'une part essayer de créer de nouvelles activités économiques dans ces régions où, par exemple, le charbon ou des industries très émettrices, hein, comme l'acier ou autres, en gros, les régions en transformation où certaines activités vont soit décliner, soit profondément se transformer. Donc, créer un peu de nouvelles activités et puis, bien sûr, accompagner, financer la formation, la reconversion des salariés. Donc, il y a tout ce volet-là qui, quand même, est un enjeu majeur pour l'Union européenne parce que pour beaucoup de territoires, plutôt encore une fois en Europe centrale et orientale, c'est quand même des questions très très difficiles. C'est un élément de blocage, je dirais, ou de, en tout cas un obstacle pour réaliser la transition. Et on essaie de mobiliser différents outils, dont ce fonds de transition juste pour y faire face. Deuxième élément, c'est d'intégrer ce principe de transition juste dans l'ensemble de nos politiques. Et là, il s'agit de répondre à certaines problématiques, comme par exemple les effets de la tarification carbone. Je disais tout à l'heure qu'on réfléchit à étendre le système ETS aux bâtiments ou aux transports. Évidemment, ça aura un impact sur les ménages, donc il faut réfléchir au volet social, aux impacts sociaux et à comment gérer ces impacts. Et donc, ça pose la question... d'avoir des politiques de prix du carbone qui en même temps soient accompagnées par des politiques pour que des solutions alternatives existent, donc il faut de l'investissement, etc. pour le faire. Ça renvoie un peu au débat qu'il y a eu au moment de l'affaire des Gilets jaunes. Et puis penser à comment par exemple va être utilisé l'argent des taxes carbone ou des permis d'émission. Et c'est quand même un élément
important de la discussion aussi au niveau européen, même si évidemment les instruments de redistribution en tant que tels sont évidemment dans la main beaucoup plus des États membres. Et puis bien sûr la cohérence de l'ensemble des politiques, je pense, en matière climatique et plus généralement du Green Deal est un élément qui détermine aussi la perception. En gros, voilà, une politique sera perçue comme plus ou moins juste aussi en fonction de sa cohérence. On se souvient des débats sur voilà, la taxation du transport routier versus la taxation du secteur aérien, etc. Il faut vraiment veiller à avoir des politiques cohérentes sur les émissions. Voilà, très brièvement, les éléments que je peux porter là-dessus. Sur l'agriculture, c'est une question évidemment très, très pertinente. L'agriculture va devoir changer profondément, c'est clair. Je renvoie à la courbe que je montrais sur la transition 2050. On essaie de réfléchir à ça de manière stratégique en mettant sur la table une stratégie qui s'appelle de la ferme à la fourchette, je crois en français, de la ferme à la table, qui vise à vraiment répondre à l'ensemble des enjeux de toute la chaîne de l'alimentation, donc voir l'agriculture comme un des maillons de cette chaîne qui doit être repensée de manière un peu globale pour devenir plus soutenable. Il est évident que la PAC doit être réorientée. Alors, la proposition, comme les propositions du budget, c'est la particularité du fonctionnement de l'Union européenne. Toutes ces propositions ont été faites avant les élections européennes et puis l'annonce du Green Deal. Mais la Commission est très déterminée dans les négociations entre les institutions qui ont lieu actuellement sur la réforme de la PAC, pour que la PAC contribue au pacte vert, aux orientations du pacte vert. Il y a plusieurs éléments en débat. Il y a bien sûr les conditionnalités un peu horizontales, c'est-à-dire ce que tous les agriculteurs doivent respecter en termes de standards environnementaux pour obtenir des aides. Et puis, il y a un nouvel instrument qu'on appelle les éco-régimes qui permettront d'utiliser notamment le premier pilier de la PAC pour financer directement des actions qui contribuent à la préservation de l'environnement. Et donc, on souhaite que ces éco-régimes puissent avoir la plus grande place possible. Après, je vais être aussi assez honnête, c'est-à-dire qu'on considère aussi que dans les positions qui ont été exprimées par le Conseil, par le Parlement, il n'y a peut-être pas toute la prise en compte nécessaire cette contribution indispensable de l'agriculture aux objectifs du pacte vert. Et il faut absolument que, voilà, au-delà des orientations qui sont portées par la Commission européenne, une prise de conscience collective sur la nécessité de réorienter profondément ces politiques, pas seulement en attendant le prochain cycle pluriannuel dans 7 ans, mais en commençant dès maintenant par des changements forts et marqués. Très bien. Et donc ça, c'était les questions. J'accélère un peu le mouvement, hein, excusez-moi, mais c'est de ma faute. Ça, c'est des questions du public. Maintenant, moi, j'avais une question sur le financement en fait, du pacte vert, et notamment, parce que je pense que vous n'aurez pas forcément le temps de tout détailler, mais notamment l'effet de levier sur les investissements privés. Comment précisément, enfin, en particulier, vous espérez obtenir l'effet de levier escompté, puisque bien entendu, l'argent public est indispensable, mais ne suffira pas pour répondre aux besoins de financement de la transition. Oui, c'est clair qu'on n'y arrivera pas sans l'investissement privé. En même temps, on voit notamment dans la crise très grave, la crise économique très grave que nous traversons, que l'importance de l'investissement public dans la phase actuelle est majeure. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ce plan de relance commun avec cet effort financier commun qui est fait au niveau européen pour financer les plans de relance. Et bien sûr qu'une grande partie de cet effort de relance soit orienté vers la transition verte.
Mais effectivement, il faut que les investissements privés soient aussi réorientés vers les priorités du Pacte vert. Et donc, pour ça, on a des instruments particuliers, par exemple le programme InvestEU, qui est un peu le successeur de ce qu'on appelait le plan Juncker sous le mandat précédent, et qui vise, en utilisant les garanties du budget européen, à catalyser, à orienter les investissements privés. Donc, on aura une partie importante de cet outil qui seront orientés vers les objectifs du Green Deal, notamment la fenêtre dite infrastructure durable, qui bénéficie de 10 milliards. Mais enfin, l'ensemble a vocation à contribuer, bien sûr, au. Voilà, ça sera 30% aussi de cette enveloppe d'InvestEU en général orientée vers le climat. Un effort aussi particulier sur les régions les plus touchées, donc une contribution au mécanisme de transition juste. Et puis, le travail sur la finance durable que j'ai mentionné tout à l'heure, où là, il faut alors qu'on utilise un petit peu le levier que peut représenter aussi le secteur financier pour permettre disons, donner un encouragement, une promotion des investissements qui sont compatibles avec nos objectifs. Et donc, on a un outil important qui est la taxonomie, qui est en cours d'élaboration, de finalisation, en tout cas pour la partie climat, qui permettra d'identifier les activités donc qui contribuent clairement aux objectifs climatiques avec des critères fondés sur une approche scientifique et puis un encadrement par des principes dans le règlement qui sont assez stricts et qui permettent vraiment d'identifier les investissements qui apportent une contribution vraiment significative à l'atténuation ou à l'adaptation au changement climatique. Et ça sera le support pour développer donc des éco-labels dans le secteur financier pour le standard européen sur les obligations vertes que l'on est en train de préparer. Et donc, on pense qu'une dynamique peut se créer dans le secteur financier et dans l'économie réelle, bien sûr, puisqu'on va réviser aussi toute notre législation sur le reporting non financier pour aller vers ce standard qui est représenté par la taxonomie. Oui, merci. J'aimerais qu'on ait le temps de revenir brièvement, chacun d'entre vous, sur la taxonomie et ce qui se passe en ce moment, un peu, enfin, dans la question suivante. Merci, Monsieur Colombani. Je redonne la parole à Stéphane Zinevski, va parler de finances vertes, justement. Mais juste avant, j'ai quelques questions pour vous, Monsieur Zinevski. Est-ce que l'État a prévu de s'appuyer sur les collectivités pour la mise en œuvre de cette transition verte et de quelle façon et dans quelle mesure? Deuxième question, avez-vous connaissance d'un scénario de l'association de mégawatts sur les moins 55% à l'échelle française? Et dernière question qui se rapproche directement du sujet finance. Étant donné que l'AFT emprunte à long terme, c'est-à-dire 30 à 50 ans, avec grand succès, est-ce qu'on ne pourrait pas conjuguer ces fonds avec le pacte vert pour financer à la fois l'évolution des outils productifs, de la recherche publique et de la formation aux nouveaux métiers que mentionnait d'ailleurs Laurence Toubiana tout à l'heure? Ça fait beaucoup de questions. Je vous laisse y répondre dans l'ordre que vous souhaitez et faire le pont avec le propos finance verte qui était prévu à ce stade Ok. du débat. Merci beaucoup. Bon, alors écoutez, je vais essayer de faire vite. Je vais faire d'autant plus vite pour les questions auxquelles j'aurais du mal à répondre. Sur l'articulation avec les collectivités locales, oui, bien sûr, c'est un point important qui apparaît bien notamment dans France Relance, puisqu'il y a un certain nombre de financements qui transiteront par les collectivités locales, dans lesquels donc la contribution financière de l'État s'ajoutera au financement au niveau région et infrarégional.
Malheureusement, une fois que j'ai dit ça, j'aurais bien du mal à élaborer, mais effectivement, c'est un point qui apparaît clairement, y compris dans la réponse qui est en train de faire le gouvernement au rapport annuel du Haut Conseil au climat. C'est parce que c'est aussi un point qui est mis en avant par le HCC, dont fait partie Laurence Tubiana. Sur le moins 55, le scénario de mégawatts, bah, oui, j'ai vu dans la chatbox, mais non, je n'ai pas connaissance de ce document. Je veux bien regarder et le passer aux collègues qui suivent ces questions. Sur la question de l'AFT, alors deux éléments de réponse. La première, c'est que tout d'abord, j'en ai pas parlé, donc c'est l'occasion d'en parler des obligations vertes, des green bonds, des OAT vertes. Donc la France a été le premier grand pays souverain à émettre des green bonds au niveau souverain en 2017 pour 7 milliards d'euros, ce qui reste la plus grande émission de green bonds souverains jamais mise. Aujourd'hui, on a 20 milliards en cours sur cette souche et le ministre a annoncé qu'on allait émettre cette année une seconde souche. Donc nous sommes déjà très présents sur ce marché. Ce qu'on se sent rendu compte lors de cette première émission, c'est qu'il n'y avait pas, puisque c'était l'une de nos craintes, c'est qu'il n'y a pas de surcoût, bien au contraire, à émettre une obligation verte. Par ailleurs, dans le cadre de Next Generation EU, donc 750 milliards, dont 30 milliards cibleront des dépenses vertes, donc c'est-à-dire 225 milliards. Donc, il faut savoir que la Commission européenne s'apprête à lever 225 milliards d'obligations vertes pour financer cette partie verte de Next Generation EU. Donc, l'Union européenne également, en tant qu'entité, s'apprête à devenir le plus grand émetteur de niveau souverain d'obligations vertes. Donc, tous ces financements, évidemment, seront mobilisés directement pour la transition, mais au-delà de cela, c'est vrai que l'État s'endette aujourd'hui à des taux négatifs, mais donc c'est bien ce qui justifie aussi l'effort d'investissement sans précédent que représente notamment France Relance. France Relance n'est pas financée que par des OAT vertes, mais l'ensemble contribue, en tout cas au niveau ne pas nuire et au niveau aussi accélération de la transition à nos objectifs. Voilà, je suis obligé d'aller vite, hein, désolé, mais maintenant pour passer à la finance verte. Alors, pour dire déjà premièrement que le verdissement de la finance, c'est-à-dire pas seulement le financement du vert, mais le verdissement de l'ensemble du secteur financier, ce qu'on appelle l'alignement des flux financiers publics et privés avec la transition, c'est un des trois grands objectifs de l'accord de Paris. Et c'est aussi une reconnaissance de son caractère incontournable si on veut atteindre les objectifs très ambitieux qu'on s'est fixés. Deuxième élément, la France, effectivement, joue depuis très longtemps un rôle pionnier dans ce domaine. Et on représente aujourd'hui, grosso modo, par exemple, 25% du marché des obligations vertes. Et ce qui est intéressant, c'est que notre part sur ce marché des obligations vertes se vérifie à la fois parmi les émetteurs. On représente à peu près 25% des émetteurs, si on met en commun les entreprises, les souverains et les entités publiques. Mais aussi 25% des intermédiaires financiers, donc BNP et Crédit Agricole, par exemple, sont les deux grandes banques les plus actives sur ce marché. Et aussi au niveau des gérants d'actifs, Amundi, pour ne pas le citer lui non plus, est leader sur ce secteur. Peut-être, si j'ai 2 minutes, je peux peut-être revenir très rapidement sur ce sujet, puisque donc, Monsieur Colombani a présenté l'agenda européen qui est très dense, surtout sur ces questions. Je voudrais insister sur deux aspects. Le premier, c'est la donnée extra-financière. Et le deuxième, c'est la taxonomie. Donc, sur la donnée extra-financière, là aussi, c'est un domaine dans lequel nous sommes leaders, enfin, en tout cas, pionniers, puisque dès 2001, la France à travers la loi Nouvelle Régulation Économique, nous avons imposé pour un certain nombre d'entreprises la publication du rapport développement durable, qui est devenu, au fil des années, de plus en plus exigeant, avec l'ajout de vérification par un tiers, etc. Donc bien en avance sur son adoption au niveau européen en 2014 avec la directive NFRD. Ça, c'est au niveau des entreprises. Au niveau des investisseurs, avec la loi pour la transition écologique et la croissance verte de 2015, là aussi, on a imposé plusieurs années avant le niveau européen des obligations pour les sociétés d'investissement pour rendre publique la manière dont elles prenaient en compte les critères ESG dans leur stratégie d'investissement. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces dispositifs, bien qu'imparfaits, donc sont largement mis en œuvre et qu'ils ont un impact réel sur le comportement des entreprises et des sociétés d'investissement. Donc, c'est pas simplement remplir des tableaux et cocher des cases. Il y a par exemple une étude de la Banque de France qui a démontré récemment que la loi, la LTECV à laquelle je faisais référence,
a permis aux sociétés d'investissement concernées de réduire de 40% leur financement des énergies fossiles. Il y a d'autres études aussi qui montrent que les entreprises françaises sont non seulement, donc les grandes entreprises sont non seulement celles qui produisent le plus de données, de rapports, etc., mais sont aussi celles qui intègrent le plus une tarification carbone dans leur business model, celles qui proposent le plus de produits ou de biens bas carbone. Alors évidemment, tout cela, et par ailleurs, il y a plein de classements qui montrent que nos entreprises sont les plus actives sur ces domaines. Tout cela, on peut évidemment s'en féliciter, mais aussi pour être honnête, c'est le revers de la médaille, c'est que ça témoigne aussi du faible engouement d'un grand nombre de grands pays sur ces questions. Pour en revenir à l'agenda européen, maintenant, notre principale priorité, c'est que cette donnée financière soit un peu plus normée et un peu plus utilisable, puisque, et c'est aussi à l'origine des soupçons qui ne sont pas totalement infondés de greenwashing, ce qu'on se rend compte, c'est que cette donnée extra-financière, elle est aujourd'hui abondante, mais elle est assez peu opérationnelle et assez peu intelligible. Un chiffre qui résume tout, c'est que si on regarde les différentes notations qui existent aujourd'hui sur le marché en termes RSE, selon les fournisseurs de données, l'indice de corrélation est de 0,61, alors que pour les notations de crédit financier, il est de plus de 0,99. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez avoir pour une même entreprise une agence de rating qui va la noter très bien, une autre qui va la noter moyennement, et donc évidemment, comment ne pas soupçonner le greenwashing dans ce domaine. Donc, on appelle, dans le cadre de la révision de la NFRD qui va être proposée en ce début d'année, vraiment une remise à plat de manière ambitieuse avec un socle d'indicateurs communs, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée, c'est de crédibiliser tout ce qui est fait autour de la donnée extra-financière. Le deuxième enjeu, j'y vais très rapidement, celui de la taxonomie. Là aussi, donc, c'est quand même, on a du mal à saisir à quel point il s'agit d'un projet ambitieux. Et là aussi, j'en ai parlé rapidement en introduction, mais l'idée, c'est pas simplement de mieux définir les activités purement vertes, mais c'est aussi de définir les activités de transition qui permettront donc de financer les efforts de modernisation de l'outil productif. Ça, c'est vraiment très important. Il ne s'agit pas simplement de financer ceux qui font déjà ce qu'il faut, mais d'aider ceux qui veulent le faire à en avoir les moyens. Et donc là-dessus, là aussi, M. Colombani en a parlé, donc les premiers actes délégués qui permettront une mise en œuvre en courant d'année sur le climat sont entendus cette année. Voilà, peut-être que je m'arrête là. Oui. Merci beaucoup. J'avais éventuellement, vous aviez mentionné le budget vert dans la réunion préparatoire à cette table ronde. Juste un mot, j'ai vu que effectivement c'était une initiative qui avait été saluée, notamment par les think tanks spécialisés sur le climat, mais néanmoins avec quelques pistes d'amélioration qui avaient été suggérées en termes de périmètre, d'intégration des dépenses de fonctionnement du patrimoine immobilier de l'État et des dotations aux collectivités qui représentent quand même 50 milliards d'euros. Je voulais juste, si c'est possible, de répondre brièvement en fait, à cette question. Est-ce que, j'imagine que vous avez connaissance de ces propositions, est-ce que c'est dans les tuyaux, est-ce que c'est compliqué à faire, enfin voilà, qu'en est-il par rapport à ces suggestions? Oui, tout à fait. Alors, rapidement, le budget vert, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un document qui est annexé au projet de finance qu'on a publié. Donc, pour la première fois, le premier exercice a été lancé en octobre dernier dans le cadre du projet de loi de finances 2021 et qui se propose de qualifier chacune des dépenses de l'État, donc sur l'ensemble du périmètre, c'est-à-dire 574 milliards d'euros, l'impact environnemental suivant les 6 axes d'ailleurs de la taxonomie européenne. Donc, ça se limite pas au climat. Il y a adaptation, atténuation, gestion de l'eau, biodiversité, pollution, puis j'ai dû en oublier un, pardon, je vais vraiment trop vite. Mais alors, il s'agit d'un premier exercice qui est unique au monde, à la fois parce qu'il couvre l'ensemble de la dépense publique et aussi parce qu'il permet sur chacun de ces 6 axes de qualifier l'impact entre plus 1, plus 3 et moins 1. Donc plus 3 s'il y a une intentionnalité positive sur l'environnement, moins 1 s'il y a un impact négatif, 0 si c'est neutre, et plus 1 s'il y a un impact positif, mais avec des effets de lock-in. Donc effectivement, c'est quelque chose pour laquelle la France a été louée par ses partenaires à un certain nombre d'ONG, ceci étant, comme il s'agit d'une première, on est tout à fait conscience que c'est un work in progress,
Et donc, pour la prochaine édition, dans le cadre du PLF 2022, on essaiera d'améliorer le dispositif avec deux axes. Le premier, c'est celui que vous avez mentionné. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de dépenses qu'on n'a pas su qualifier, donc qu'on a considérées comme neutres, parce qu'on n'avait pas suffisamment de granularité, pas suffisamment de détails. Donc, typiquement, tout le champ des dépenses, enfin, une grande partie des dépenses de fonctionnement de l'État a été considéré comme neutre parce que on n'avait pas suffisamment de détails sur l'impact environnemental, les contributions de la France à l'Union européenne, les transferts aux collectivités locales, etc. Donc sont des domaines dans lesquels on va essayer de creuser un peu plus et de qualifier davantage la dépense dans l'exercice suivant. Puisque oui, je rappelle que donc sur le PLF 2021, les chiffres, c'est qu'il y a à peu près 38 milliards de dépenses favorables à l'environnement sur 574 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un grand nombre de dépenses qui ont été considérées non pas nocives, puisque la partie nocive, c'est 10 milliards, mais une grande partie qui a été considérée neutre. Et j'en viens d'ailleurs au deuxième point. Alors, je ne sais pas si c'est un axe d'amélioration, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a été critiqué, notamment par le I4C, et aussi peut-être le HCC, il me semble, c'est que Pour déterminer l'impact environnemental, on doit prendre un scénario de référence. Et le scénario de référence qu'on a pris, c'est l'absence de dépenses ou une dépense moindre. On n'a pas pris pour scénario de référence la SNBC. Donc, ça peut vouloir dire que certaines dépenses, si je puis dire, dans le modèle économique actuel, seront considérées comme neutres parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité environnementale spécifique, alors que certains pourront considérer que ça a un impact négatif si ce n'est pas tout à fait conforme avec la SNBC. Et c'est d'ailleurs une des divergences d'appréciation qu'on peut avoir sur France Relance, ce qui peut mener à une légère différence de chiffrage, notamment avec le HCC, selon le scénario alternatif qu'on utilise. Ok, merci. Oui, peut-être, si je ne me trompe pas, il me semble que les aides qui ont été apportées récemment à l'aérien et à l'automobile sont considérées comme neutres, ce qui peut être quand même sujet à débat. Mais on ne va pas rentrer tout de suite dans ce débat maintenant. Monsieur Kahn souhaitait apporter une réponse à des questions qui ont été posées par certaines personnes du public, notamment revenir sur le rôle des collectivités. Et il y avait une question aussi sur la pollution générée par la digitalisation de l'économie. Je ne sais pas si on a le temps de répondre à cette question également, parce que ça nous éloigne un peu du cœur de notre sujet de ce matin, qu'on va déjà avoir bien du mal à traiter dans les temps impartis. Monsieur Kahn, je vous donne la parole. Merci, peut-être un mot effectivement sur ces deux questions, sur les collectivités locales, pour indiquer qu'elles sont désormais des acteurs importants également pour la transition énergétique. Hein. Leur rôle a été renforcé par la loi TEPCV, et elles doivent élaborer des plans climat, énergie, environnement territoriaux. Voilà. Et donc, elles sont assez en retard d'ailleurs pour le faire. Hein. Il y a un dialogue très fort sur le terrain entre les collectivités, les services de l'État, qu'il s'agisse des préfets de régions, de départements ou leurs services. Voilà. Et les collectivités ont évidemment des compétences et des moyens d'agir tout à fait éminents, qu'il s'agisse des politiques de transport, qu'il s'agisse de la gestion des déchets, de l'économie circulaire, qu'il s'agisse des politiques de logement, ou également elles ont un patrimoine immobilier considérable qu'il va falloir mettre à niveau. Et pour ça d'ailleurs, il y a également des aides qui sont mises en place dans le cadre du plan de relance et qu'on ne va pas détailler. Et sur le deuxième sujet, donc très rapidement sur la question du numérique, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur le numérique. Un certain nombre d'études ont été lancées, notamment le Conseil national du numérique a lancé un certain nombre de travaux dessus. Et les échanges entre les services du ministère, le Haut Conseil sur le climat et les services du ministère de la Transition écologique sont en cours pour aboutir à un plan numérique et environnement qui devrait être bientôt annoncé. Voilà, en tout cas, c'est un sujet qui est clairement identifié, qui va impacter aussi bien le secteur numérique lui-même que l'ensemble des utilisateurs du numérique, y compris d'ailleurs les différents fonctionnaires du ministère comme utilisateurs, puisque notamment avec le télétravail, on consomme tous beaucoup, beaucoup de numérique. Voilà une réponse très rapide à la question. Oui, en effet. Merci beaucoup. Alors,
Je vous propose pour les environ 20 minutes qui restent en principe pour cette table ronde, peut-être de revenir quand même sur cette histoire de taxonomie parce que, et de do no harm et de lock-in des investissements qui enferment en fait certaines activités, notamment potentiellement infrastructures, dans une trajectoire incompatible en fait avec l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés par ailleurs. Du type neutralité carbone 2050. Donc, je redonne la parole à Laurence Toubiana. Bon, la taxonomie, vous en avez déjà dit un mot tout à l'heure, la taxonomie qui est en cours d'élaboration à Bruxelles, donc on voit bien que quand même son rôle est assez déterminant, enfin, que ce soit à Bruxelles ou en France, on voit bien quand même que de déterminer ce qui est vert ou qui ne l'est pas, et ce qui est neutre ou qui est carrément... nocif en fait au climat et à l'atteinte des objectifs climatiques, c'est quand même un peu le cœur du réacteur. Donc, est-ce qu'à votre avis, il faut s'inquiéter du retard que prend la taxonomie européenne à être publiée et des débats qui sont actuellement en cours, notamment autour du gaz, comme vous l'avez souligné, mais ça, c'est peut-être le plus vocal en bon français, ce dont on entend le plus parler en ce moment, mais ce n'est pas le seul sujet qui va donner lieu à des débats. Quid de l'importance de la taxonomie et des incidences de ce retard? Est-ce que Laurence Soubiana, vous m'entendez? Pardon, excusez-moi. Ah, oui. Non, je vous en prie, du moment où vous m'avez entendu, c'est le principal. Merci. Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est un moment vraiment important. C'est d'ailleurs, dans la lignée de ce qui a été dit, on voit comment les instruments de régulation financière, vraiment au sens large, parce que la taxonomie, il ne faut pas oublier qu'elle est volontaire, le signal économique devient important et l'harmonisation, justement, pour ne pas qu'il y ait des évaluations un peu dans tous les sens, qu'il y ait une information qui soit cohérente, c'est quand même un enjeu très important dans les années qui viennent, puisque, encore une fois, tous les mécanismes, à part les mécanismes de crédit carbone, ceci, enfin, qui font l'objet d'une gouvernance finalement centralisée, il y a beaucoup de choses qui sont les prises de décision, les anticipations de beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc la taxonomie, c'est une manière de gérer des normes, de les publier avec le plus de précision possible. Alors, le retard, il est lié à la négociation, hein, d'une part à la consultation très importante. Il y a eu vraiment presque 50 000 personnes qui ont répondu à cette consultation de la Commission européenne. Donc, il y a encore une phase de digestion de ces commentaires. C'est quand même intéressant parce que c'est ultra technique comme sujet. Deuxième chose, il y a une négociation, évidemment. Antoine Colombani le disait sur les questions d'agriculture, de forêt. On veut à la fois ne pas fixer les choses d'une mauvaise façon et en même temps, il y a évidemment éventuellement même un front commun, hein, entre ceux qui veulent des choses très souples sur la taxonomie, l'évaluation des critères pour les forêts et l'agriculture, avec ceux qui voudraient que le gaz soit considéré comme une énergie propre ou pour une transition longue. Là, on est dans la pleine bataille habituelle, hein, de négociation des outils. Moi, je plaide, mais c'est peut-être très difficile, pour qu'on prenne le temps, c'est-à-dire qu'au fond, on essaye de clarifier étape par étape et secteur par secteur ce qui peut finalement faire l'objet d'un consensus, puisqu'il faut qu'on ait un consensus sur le sujet. Il y aura évidemment de toute façon un intéressant discussion entre toutes les institutions européennes autour de ça, mais je me préoccupe de fixer des choses qui soient si, au fond, si vagues ou si lâches. Au fond, ça ne sert à rien. Et encore une fois, il faut se souvenir que pour l'instant, on n'est pas dans des choses obligatoires, y compris, on est encore assez seul, hein, en France pour imposer un certain nombre de choses de façon obligatoire. Donc, c'est un outil de transparence, de reporting, donc il vaut mieux qu'il soit le plus précis possible, et sinon, s'il abrite tout et n'importe quoi, et ça n'a quand même plus du tout d'intérêt. Donc, je pense qu'il vaut mieux se battre encore un peu, il vaut mieux la clarification, et c'est vrai qu'il me semble que, notamment dans le secteur de l'agriculture des forêts, on est quand même assez loin, hein. Antoine Colombani le rappelait, sur il y a encore une résistance, hein, des milieux professionnels et des responsables qui s'en occupent pour
comprendre vraiment ce que ça veut dire le net zéro pour le secteur agricole et forestier. Bon, dans les questions de la forêt, c'est très important pour les pays du nord de l'Europe parce qu'une bonne partie de leur zéro émission nette, ça passe hein, par la capacité d'absorption des forêts dont on sait qu'elles ont aujourd'hui elles ont des difficultés, notamment à cause du changement climatique en grande partie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça, le délai ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiéterait, c'est de boucler trop vite une négociation qui, après, nous enferme, encore une fois, pour un outil qui est un outil de transparence et pas un outil de critères obligatoires d'investissement. Ces critères, je pense que le seuil d'émission de 100 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure pour l'énergie, c'est très important et que c'est quand même là-dessus qu'on devrait vraiment visser les choses. Et encore une fois, moi, je ne sais pas quel est l'avis de Stéphane Sinewski ou d'Antoine Colombani, mais je suis pour qu'on prenne le temps pour le reste d'arriver à des choses qui soient équilibrées, qui donnent un vrai signal au marché. Oui, parce qu'on est d'accord que sur l'énergie, par exemple, enfin les forêts aussi d'ailleurs, c'est quand même des décisions d'investissement de long terme qui peuvent se prendre en ce moment sur des choses qui vont durer trop longtemps par rapport au gaz, à l'urgence. Ouais. Exactement, c'est 30 ou 40 ans. Enfin, ça veut dire qu'on ne peut pas dire 2050 émissions nettes et en même temps prendre des décisions qui sont dans la durée de vie est au moins de 30 ans. Enfin, donc, voilà. Bon, à moins qu'on veuille des pipelines vides, ce qui est un peu idiot. Hein. Enfin, si on met des gazoducs où il n'y a rien dedans, c'est un peu idiot. Oui. On n'est pas encore mûr pour tout mettre en hydrogène. Donc, voilà, vert, je te surprends. Bon, je vous laisse la parole pour une deuxième question qui concernait plus précisément la France, parce que j'ai peur de pas avoir le temps de refaire le tour, justement sur le plan de relance français la réalité des éco-conditionnalités demandées au secteur, notamment aérien et automobile. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Moi, enfin, d'un certain point de vue, au début mars, en tout cas, moi, j'étais très pessimiste hein, sur le fait que la relance, nécessairement, la crise allait tout mettre le climat en arrière. Bon, ça n'a pas été le cas, donc c'est déjà bien. Mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de mal. Enfin, il y a un gros débat chez les économistes, d'ailleurs, à tous les niveaux, pour se dire, est-ce que les investissements dans la transition verte, ils sont bons pour la relance ou est-ce qu'il faut y penser pour après? Parce qu'il n'y a pas d'effet court terme contracyclique à l'investissement dans le vert. Bon, partant de là, et puis aussi, bon, évidemment, dans l'urgence, on a fait un choix pour l'aérien et l'automobile, y compris, et encore une fois, pour le secteur fossile, on est quand même encore dans c'est significatif hein, dans les dépenses publiques françaises d'investissement, y compris dans les crédits à l'export, etc. Donc, personnellement, je pense que, encore une fois, parce que à la fois la crise se prolonge, que d'autres pays, je pense à l'Allemagne, a fait un choix différent, en tout cas pour l'automobile, c'était plutôt le moment d'investir en se disant, de toute façon, ce passage à l'électrification, il est inévitable. Si on veut pas que le marché européen soit envahi par des véhicules chinois qui ont mis beaucoup d'accent sur l'accélération de l'investissement dans le secteur, ben, il faut que en 2022 ou 2023, on ait déjà des véhicules qui soient compétitifs hein, du point de vue avec les véhicules à essence. Et je trouve que là, la main a hésité, mais enfin, c'est mon appréciation. De toute façon, vous avez vu le rapport du Haut Conseil auquel j'ai participé. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans ce plan de relance, et notamment l'objectif de 30%. Et en même temps, je pense que le signal au secteur automobile, en particulier aérien, même le signal vers le secteur ferroviaire, il a été trop faible de mon point de vue et pas assez engageant pour le secteur automobile. Et il me semble qu'on voit encore des hésitations dans le secteur français, alors que je vois Volkswagen et les autres en Allemagne déjà avoir été passés de l'autre côté du point de vue du raisonnement. C'est pour ça que le secteur de l'automobile allemand a bien accepté le fait qu'on rachète pas qu'on n'aide pas le stock, l'écoulement du stock de véhicules existants, par exemple. Mais bon, les situations de business étaient différentes, hein. Les deux secteurs sont pas dans la même santé économique, mais je pense que c'était, on a plus de temps, quoi. Et donc, encore une fois, je ne vois pas, mais je me trompe peut-être parce que je vois que l'évolution de la discussion sur la dette publique évolue, heureusement, hein. Il y a beaucoup d'économistes aujourd'hui qui montrent qu'il faut la considérer de façon différente, se fonder sur le coût du remboursement
et pas sur le stock. Mais si on devait arrêter, si on ralentit l'investissement dans l'économie française de façon publique en 2022 ou 2023, alors on aura fait un mauvais calcul. Si on poursuit sur la même tendance et qu'on verdit progressivement, pourquoi pas, mais je crains qu'en 2022, on se dise, on arrête, il faut qu'on bloque le stock de dette au niveau où il est, il faut qu'on essaye de le décroître et qu'à ce moment-là, on aura perdu une fantastique opportunité. Merci beaucoup, Laurence Toubiana. Est-ce que, bon, normalement, je devrais passer la parole à Antoine Colombani, mais peut-être pour apporter des réponses plus directes à ce qui vient d'être dit, Stéphane Sinewski, si vous voulez prendre la parole maintenant, et je redonnerai la parole dans un deuxième temps à Antoine Colombani. Alors bon, il y a beaucoup de choses sur la taxonomie. Peut-être très rapidement, concrètement, vis-à-vis du débat en cours sur le gaz, la France fait partie de ceux qui soutiennent le seuil de 100 grammes par kilowattheure. Donc ça, au moins, c'est une réponse sans ambiguïté. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est que la taxonomie, c'est pas simplement une catégorie, c'est trois catégories vert. Activité verte, activité de transition, activité permettant la transition. Donc, si on parle de la catégorie verte, la plus exigeante, il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, c'est une catégorie extrêmement exigeante, beaucoup plus restreinte que ce qu'on appelle communément vert. Donc, on est bien loin du risque de relâchement, entre guillemets. Par ailleurs, comme vous l'avez vous-même souligné, ce qui compte vraiment, finalement, c'est définir quelles sont les activités de transition, en l'occurrence, voilà. Versus les brunes. Voilà, tout à fait, on est d'accord, on est d'accord. Voilà, sur les plans de soutien à l'automobile et à l'aéronautique. Bon, là, je pense qu'on est vraiment sur une différence d'appréciation en termes de degrés. Je pense qu'on est tous conscients qu'il y avait un arbitrage à mener entre le soutien des activités à la fois très intensives en emploi, très exposées à la concurrence internationale, dans lesquelles les entreprises ont des marges quand même très faibles. Et par ailleurs, le soutien à la transition écologique. Bon, moi, en tant que représentant de l'État français, je vais vous dire quand même que ces considérations ont été prises en compte de la manière la plus poussée possible. Et c'est vrai que si on rentre dans le détail des dépenses qui ont été proposées dans France Relance, notamment, mais aussi dans les plans sectoriels, qu'il s'agisse des mesures d'offres, à la fois pour la filière automobile et la filière aéronautique, il y a quand même un certain nombre de fonds d'investissement qui ont été abondés par l'État pour permettre la recherche et développement dans les technologies d'avenir. Et si on regarde les mesures de soutien à la demande, notamment dans l'automobile, bon, la quasi-totalité sont quand même conditionnées à un fléchage vers des véhicules plus sobres. Donc, je vais mentionner brièvement le bonus écologique pour les véhicules électriques qui a été relevé, le bonus pour les véhicules électriques d'occasion qui a été mis en place, un bonus pour les véhicules hybrides rechargeables qui a été mis en place également. Et puis, dans la prolongation des propositions de la Convention citoyenne climat, à compter de 2022, le malus au poids sur les véhicules. Donc, évidemment, et puis par ailleurs, toujours dans le cadre de France Relance, tous les investissements pour le développement des transports sobres, donc 4,7 milliards sur le ferroviaire, qui peuvent être considérés, comme Laurence Tubiana le fait, insuffisants, mais c'est quand même un montant significatif. Et puis d'autres investissements publics importants sur l'intermodal, 550 millions, sur le transport en commun urbain, les parkings relais, les vélos, 1,2 milliard. Donc voilà, toutes ces considérations ont quand même été prises en compte. Suffisamment, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais en tout cas, elles étaient dans les arbitrages. Sur l'aéronautique, 1,5 milliard sur la recherche pour des technologies de sobriété, plus faible consommation de carburant, électrification des appareils, une feuille de route biocarburant qui fixe un objectif de 2% de biocarburant en 2025, 5% en 2030. Donc voilà, les aides n'ont pas été conditionnées, certes, mais des contreparties ont été demandées, des objectifs ont été fixés plus ambitieux que les objectifs précédents. Là, je m'arrête là. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Antoine Colombani, peut-être une réaction au niveau européen au propos de Laurence Toubiana tout à l'heure, à la fois sur la taxonomie et le risque de locked-in investment. Enfin, je ne sais plus si c'est exactement ça la terminologie, mais voilà. Et puis, et du coup, ce qui me semble être finalement une des questions centrales, mais qui était difficile d'aborder d'entrée de jeu, est-ce que
enfin, cette articulation entre les emplois à court terme et la transition écologique à moyen long terme et du coup les investissements nécessaires en termes de formation pour aux nouveaux métiers, comment sont prises les décisions par rapport à ces injonctions potentiellement contradictoires, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a un nouveau calendrier sur la taxonomie verte là, qui est prévu à l'échelle européenne, là, parce qu'on est en pleine guerre du gaz, mais est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on a une chance d'en sortir? Écoutez, sur la taxonomie, effectivement, Laurence Toubiana l'a bien dit, il y a eu énormément de réponses à notre projet d'acte délégué, notre consultation sur le projet. Donc, on est en train d'analyser tout ça, de discuter aussi avec les États membres dans le groupe d'experts dédié. Je crois qu'il est important de rappeler que la taxonomie est un outil, hein, parmi d'autres, dans la panoplie des outils qui nous permettront d'orienter l'investissement vers les bonnes priorités. On fixe un cap très clair, je pense, pour les investisseurs avec des objectifs très clairs pour 2030 et 2050. On aura tout un cadre réglementaire et un cadre sur la tarification du carbone qui va s'appliquer, qui va correspondre à ces objectifs. Et toute cette déclinaison législative va commencer cette année et bien sûr va continuer dans les années qui viennent. Donc c'est ça qui va permettre de réorienter un certain nombre d'activités, d'investissements. La taxonomie est bien sûr un élément important dans ce paysage. Il faut à la fois clarifier, mettre de la transparence dans ce paysage de la finance durable, comme l'a très bien dit Laurence Toubiana, et puis il faut lui permettre à la finance durable de gagner aussi en échelle, je pense. Aujourd'hui, c'est quand même, il faut le rappeler, c'est une très faible partie de la finance en général. Et donc voilà, la taxonomie est d'abord un outil de promotion. Et évidemment, il y a beaucoup d'intérêt de la part des secteurs concernés sur les critères précis qu'on fixe pour finalement fixer le seuil et certains critères plus qualitatifs de la contribution à la lutte contre le changement climatique, etc. Mais il faut rappeler que c'est d'abord un outil voilà, de transparence et de promotion. Alors, distinguer peut-être dans les discussions qu'il y a eu entre justement le principe « ne pas nuire », parce que les deux principes cardinaux de la taxonomie, c'est d'une part la contribution significative, donc en l'occurrence aux objectifs climatiques, et puis « ne pas nuire », où là, effectivement, pour ne pas nuire, il s'agit d'éviter ce qu'on a dit, hein, le « lock-in », d'avoir des choses qui soient compatibles avec la transition. Et puis, par contre, sur la contribution significative, y compris pour les activités de transition, il faut quand même, et le règlement, hein, le texte législatif est clair là-dessus, il faut quand même que ça soit des contributions claires, significatives à la transition. Ça doit concerner des activités où il n'y a pas d'alternative bas carbone, par exemple. Donc, il y a quand même un cadre assez clair qui a été fixé sur ce plan-là, mais enfin, on est en train de regarder évidemment toutes les réponses. Et je partage l'idée suivant laquelle ce qui compte, c'est pas seulement évidemment d'encourager les activités qui sont en ligne avec ce qui est considéré comme vert dans la taxonomie, ce qui le sera puisqu'elle n'est pas finalisée, mais aussi d'encourager les trajectoires des entreprises qui souhaitent aller au bout d'un certain nombre d'années vers ce standard de la taxonomie, qui souhaite accroître la part de leurs dépenses ou de leur chiffre d'affaires qui soit en ligne avec la taxonomie. Donc, on réfléchit aussi à tout ça dans le cadre du prochain plan sur la prochaine stratégie sur la finance durable qui est prévue pour cette année. Après, sur les éléments liés à la relance, oui, je pense qu'il était légitime de ne pas laisser les entreprises faire faillite à cause du Covid. La Commission a autorisé, a assoupli son cadre en matière d'aide d'État pour le permettre. Maintenant, ce qui compte pour certains des secteurs concernés, c'est quelle sera leur transition, leur trajectoire ensuite. Et je pense que c'est en grande partie le cadre réglementaire qu'on se fixera, qui le déterminera. Mais en tout cas, voilà, tous ces secteurs n'y échapperont pas, c'est évident. Laurence Toubiana a dit quelque chose d'important aussi, c'est que
on est face à des tournants technologiques en fait dans beaucoup d'industries, notamment l'automobile. Et il faut bien voir que on a tout à gagner à prendre ces tournants technologiques le plus tôt possible, parce que c'est en fait, c'est pas seulement cette transition ne doit pas être vue comme une contrainte. C'est en fait les technologies qui seront celles de l'avenir. Et donc on peut prendre un avantage pour l'industrie européenne à prendre ce tournant tôt. Et au contraire, on peut être pénalisé ensuite par la suite si on n'a pas pris ce tournant, comme on l'a vu dans le passé sur d'autres tournants technologiques majeurs. Qui peut-être n'ont pas toujours été pris assez tôt. Ensuite, sur la relance, je pense qu'il faut absolument, et ça sera vraiment important que les États membres prennent en compte quand ils soumettront leur plan de relance à la Commission au printemps prochain, il faut vraiment utiliser ces plans de relance pour encourager la transition et réaliser les investissements d'avenir. La rénovation des bâtiments, par exemple, c'est gagnant pour la reprise. Ça crée de l'activité à court terme. C'est bon pour la transition juste et la justice sociale parce que ça permet aussi de régler des problèmes de précarité énergétique, etc. Donc, ça a vraiment énormément de sens de mettre beaucoup l'accent là-dessus. Et puis il faut bien sûr mettre l'accent sur d'autres priorités, les énergies renouvelables, l'hydrogène propre qui jouera un grand rôle à notre avis dans la transition, les transports durables et donc bien sûr le transport public urbain, le report vers le ferroviaire, etc., etc. Et puis les bornes de recharge pour les véhicules zéro émission, etc., etc. Donc voilà, on souhaite vraiment encourager au maximum les États membres à mettre en avant le plus possible ces priorités dans les plans de relance. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie tous. Juste deux points par rapport à ce que vous venez de dire. Le bâtiment, on est d'accord que ça coche toutes les cases et pourtant, à l'échelle française, depuis au moins le Grenelle de l'environnement, on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on se fixe nous-mêmes. Et deuxième remarque concernant l'hydrogène, qui effectivement est appelé, en tout cas beaucoup mise sur l'hydrogène, ce qui nous ramène à comment il est fabriqué et au sujet du gaz qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Bon, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas eu le temps de traiter et qui est quasi philosophique et qui nous entraînerait trop loin concernant la compatibilité en fait de ces trajectoires carbone avec la croissance au sens où on l'entend aujourd'hui et au sens où on essaie de la soutenir via les plans de relance. Et en fait, ce que nous dit cette pandémie actuelle de notre modèle actuel de développement et aussi l'impact que ça a pu avoir sur nos économies et la mise en exergue de certaines de nos fragilités. Mais bah, je propose que ça soit le sujet d'un prochain débat. En tout cas, je vous remercie à tous. Je vous remercie tous, pardon. Et je vais redonner la parole à Catherine Faure pour un mot de conclusion. Je vous souhaite une excellente journée. Merci aux intervenants et merci aux participants. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. C'était passionnant. Nous avions de nombreux participants que je remercie également pour leur présence. Notre prochain rendez-vous aura lieu le 12 mars. Nous recevrons les deux auteurs de l'ouvrage Une monnaie écologique, qui sont messieurs Grandjean Dufresne. Alain Grandjean est membre du Haut Conseil pour le climat. Il était également président de la Fondation Nicolas Hulot. Nicolas Dufresne est spécialiste de politique monétaire. Il s'agira de ça, entendu. Et il est haut fonctionnaire et directeur de l'Institut Rousseau. Cette rencontre évoquera la création monétaire qui pourrait être mise au service des projets écologiquement vertueux. Donc, nous vous donnons rendez-vous le 12 mars et je réitère mes remerciements chaleureux aux intervenants qui étaient présents aujourd'hui
et qui, j'espère, n'ont pas trop souffert de la technique. Je vous remercie beaucoup et donc au 12 mars. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir, merci. Merci, merci à tous. Bonne journée, à bientôt. Vous êtes là, Dominique? Catherine, vous êtes encore là? Oui, on a une quarantaine de participants qui ne se sont pas déconnectés. Ah, je suis obligée de vous laisser parce que je dois rejoindre un autre webinaire sur lequel je fais une interview dans la foulée. Ça ne vous dérange pas? De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose. Bon courage et merci beaucoup, Dominique. Merci à vous, à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Emmanuel, je propose que nous tions l'événement. Eh bien, il reste encore 26 participants.